Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau décor incroyable. Pas de fond vert aujourd'hui, j'ai voulu tester sans fond vert. On voit du coup ma machine à laver, incroyable. On voit pas mal de choses. On voit peut-être un peu trop de mon intérieur. Je verrai ce que je fais. Est-ce que je continue avec des fonds verts ou non? Vous pouvez voir surtout Tails ici, qui se débat, qui restera dans le décor pendant un petit moment, je pense. Bienvenue ce soir, on va faire le premier FPS de la série Resident Evil qui s'appelle Resident Evil Survivor. Il est équipé en domotique. Dis donc. Mais non. Ah, en domotique, tu veux dire en machine à laver? Non. Pas vraiment, mais bon, si tu veux. Mais bon, c'est juste une machine à laver. Oui, je suis équipé en domotique dans le sens où, grâce à mon téléphone, attention, je peux faire un truc assez incroyable. Je peux éteindre la lumière et la rallumer. Incroyable. Incroyable. Resident Evil Survivor, c'est donc un jeu light gun sorti en l'an 2000. La Dreamcast arrivait gentiment dans le monde. Salut Pisuke, bienvenue sur le stream. Après les jeux vidéo, la collecte de machines à laver. À laver. La machine à laver, mais en fait, c'est fait exprès ta blague ou. Wow. C'est un peu fort, non? On est d'accord, c'est un peu fort. Ah, mais vous avez pas le son du jeu, vous. Du coup, parce que je viens de me tromper. Je viens de me rendre compte de mon erreur, en fait. Surveillance uniquement. Surveillance est sortie. Alors attends. On va tenter quelque chose. Oui, du coup, j'ai plus le son. Donc c'est surveillance est sortie. Donc là, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez
et la musique et la sortie. Voilà. Bon, je bosse comme d'hab, mais je regarde du coin de l'œil. Très bien, bah, tu vas voir l'ancêtre de Resident Evil 7, du coup, là-haut. Et vous allez voir que, bah, en fait, être dans une petite bulle sans fond vert, et bah, c'est rigolo. Ça me permet d'être un peu partout dans les jeux vidéo. C'est assez cool. Donc, sorti en 2000, il est sorti au Japon le 27 janvier, en mars le 31 mars, en Europe, pardon, le 31 mars, en août le 30 août aux États-Unis. Ça s'appelle Appuyer sur espace trop tôt. Ah. À laver, oui. Bah c'est marrant parce que c'est machine à laver. C'est drôle, je trouve. Et il a été fait par des gens qui n'ont rien à voir avec Resident Evil, c'est drôle. C'est une équipe BIS qui a fait le jeu. C'est drôle, il est sorti sur PC, Resident Evil Survivor. Ça, je savais pas. Je l'ai appris en faisant la vidéo, en faisant le stream. Et bah, il a été très mal accueilli, 42% dans Games Ranking, Metacritic de 39 sur 100. C'est pas beaucoup. 5 sur 10 de Edge, 4 sur 10 de IGN, une étoile de Next Generation. Tout le monde dit qu'il est nul. Tout le monde m'a dit pourquoi tu fais ce jeu-là? Tu devrais faire Dead Aim qui est vachement mieux sur PS2. On fera Dead Aim sur PS2 plus tard. On le fera sans doute, mais pas maintenant. Peut-être pas prêtre. Prêtre. Peut-être qu'il y aura moins de bugs que le RE Village. Attends, il y a eu un florilège, moi j'en ai eu aucun. C'est un truc de fou. J'ai pris le patch Day One sur Xbox Series X, j'ai eu aucun bug. Encha, Aruno et Tails qui lavent le linge en famille. On lave le linge en famille. Vous voyez que le jeu est pas moche pour un jeu PlayStation 1. On est en 2000, on est vers la fin des jeux PlayStation 1. C'est pas laid du tout. Je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur en fait. Parce que du coup j'ai pas mon compresseur de son. Quand je parle, ça baisse pas le jeu. Du coup, c'est problématique, mais c'est pas grave, je vais laisser le jeu à ces volumes-là à peu près, et vous me direz si c'est trop bas. Mais voilà. Et bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un jeu qui suit à peu près l'histoire de Resident Evil, je sais pas trop dans quelle histoire il se... Trop différent des autres. Et trop court, je pense. Salut Ryudo, comment vas-tu? Oh putain, du coup, on voit pas bien. Salut Ryudo-san. On voit pas super bien, c'est marrant ça. J'espère pour qu'on voit mieux. Peut-être ça. Ouais, on voit un peu mieux. Par contre, ça fait un cadre qui n'est pas adapté. C'est pas grave. Salut à toi, Ryudo-san, bienvenue sur le chat. Ce soir, du coup, bah, on joue à l'ancêtre de Resident Evil 7 et Resident Evil 8, RE Survivor sur PlayStation 1. J'ai pris la version US pour avoir le 60 Hz. Et vous allez voir à quel point c'est incroyable tout ce qu'on peut faire grâce au fait d'être dans une bulle. J'ai remis Taze ici qui galère à côté du titre. Je trouve ça trop drôle. Et vous voyez que là, la bulle, je peux la prendre et le mettre où je veux dans le jeu. Là, évidemment, ça manque un peu d'intérêt sur ce truc-là. Mais sur un jeu où, quand je vous ferai des jeux en Mister, par exemple, SPGA, je pourrais bouger comme ça, par exemple. Et je pourrais même bouger le chat indépendamment. Donc ça, c'est assez ouf. Ça va me permettre de vous faire des overlays en temps réel pendant les jeux. Par exemple, bah, je saurais où me caler quand je fais un jeu particulier, genre ici. Bon là, le ratio n'est pas bon, hein. Comme vous connaissez mon amour pour le ratio, vous savez que c'est pas bon. D'ailleurs, je peux le corriger peut-être. Enfin bref, voilà. Je ferai ça plus tard. Je ferai ça pendant un direct Mister FPGA, je pense. Pendant un live Mister FPGA. Attends, je suis québécois, je parle, je dis direct, quoi. C'est le futur, exactement. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que votre week-end s'est bien passé? Est-ce que la fin du week-end vous déprime ou pas? C'est ça la vraie question. On va passer au jeu, et alors là, encore une fois, bah, ça chamboule un peu tout. L'avantage, c'est que le 4 tiers prend que le milieu. Non, alors du coup, non. Là, si je mets en, voilà, tu vois, en 16 neuvième, on a bien l'étirement, là. Tout est étiré. C'est pas du tout correct au niveau ratio. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais j'aimerais bien que le... Je crois que là, c'est correct. Ah non, attends. Là, ça peut être correct, par contre. Tac. Voilà. Là, on est en 4 tiers correct. Là, on est en 4 tiers pas bon. Là, on est en 16 neuvième, en fait. Étiré. Donc, c'est pas bon. Je peux prendre, à la limite, le Elgato qui est là. Copier, hop, coller. C'est l'avantage du copier-coller. On peut faire ça, du coup. Et bah là, en fait, on pourrait presque faire bah Resident Evil dans cette configuration-là. En prenant, par exemple, le 4 tiers, en le mettant pas là. C'est pas le 4 tiers. En prenant le 4 tiers, hop, en le mettant au bord, comme ça. Et moi, si je le mets au bord, eh ben, je peux vous prendre le chat, par exemple. C'est incroyable. C'est vraiment trop... Pour moi, c'est vraiment trop le futur, hein, ce truc. Je voulais le faire depuis le début, mais j'avoue que le fond vert était plus séduisant.
Donc voilà, là par exemple, je viens de faire un overlay en 5 secondes, je peux même, tu vois, un peu empiéter sur le jeu. C'est assez incroyable, hein. Franchement, moi je trouve ça trop bien. Voilà. Mais on va quand même utiliser l'overlay rétro parce qu'il est là, il est là aussi pour ça, et qu'il y a une photo de Joy Police dessus, et que rien que pour ça, ça vaut le coup. On va démarrer. On va démarrer tranquillement. Je vais regarder la télé pour ne pas avoir de... Alors du coup, je vais être complètement de profil à partir de maintenant, puisque la télé n'est plus en face de moi, mais elle est là maintenant. Parce que j'ai déplacé tout mon bureau, j'ai déplacé tout pour que vous voyez le chez moi. Sinon, vous auriez vu le mur en face. New game, load game, on a option, on va regarder les options quand même rapidement. Mais il n'y a rien, je crois, arrivé. On a le son stéréo, le BGM. Il faut que je m'achète un petit écran que je pourrais mettre là, comme ça je pourrais vous voir, voir le chat plus souvent. Et ne pas galérer. J'achète un petit écran. Et ne plus utiliser ma télé comme moniteur, parce que ça revient, au niveau consommation, ça revient un peu cher. Adjust screen. Adjust screen, c'est quoi, vas-y. Je pensais que ça allait être justement un mode 16/9, mais non. Tant pis. Je suis très déçu de ne pas avoir de GunCon, évidemment, et même si j'avais un GunCon, je pourrais pas vous montrer bouh, les images étirées, bouh, à mort. Il y a, tiens d'ailleurs, sous la vidéo émulation que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, il y a... Qui c'est qui a arrêté de m'héberger, là? Sous ma vidéo émulation, il y a Recallbox qui est passé et qui a fait un petit commentaire. Bah, encore une fois, hein, Recallbox, comme les autres, n'ont pas bien compris le sens même de la vidéo. Attention, écoutez bien, le titre est dit d'une manière très drôle. On va vous mettre le son un peu plus fort. Sonic va vous parler. Sert pas des bords de l'écran comme extenseur de musculation. Ça, c'est une intro où il y a des moyens techniques, je vous le dis. However. Wouah, ça brûle! C'est encore de la vidéo, ça vous dirait, non? Peut-être le jeu, je sais pas. On dirait de la vidéo quand même. Non. C'est le moteur du 2. Intéressant. Attention, je parle, ça baisse le son, c'est bon. Je peux mettre le son du jeu à fond maintenant, quand je parlerai, ça baissera le son du jeu. Non, je rigole, ouais, tu m'étonnes. Le moteur du 2, ça, c'est possiblement le moteur du 2, hein. C'est peut-être un truc de Capcom en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeu n'est vraiment plus le même, hein, clairement. Je sais pas. Moi, je sais pas trop. On m'a dit que c'était une daube. Quand j'étais petit, j'avais pas l'impression que c'était une daube. J'avais l'impression qu'il était juste... C'était juste un jeu PS1 de fin de vie, quoi. Et forcément, bah, l'intérêt était forcément pas... était pas tourné vers la PS1. Tout le monde s'intéressait à la Dream, en fait. En 2000. Moi, en tout cas, autour de moi, tout le monde s'intéressait à la Dreamcast, quoi. Je pense au moteur de Dino Crisis. Ça, c'est bien possible. Ça, c'est fort probable même, puisqu'il y a les mêmes effets de dégradé sur les couleurs et sur les textures. Tu vas voir. Mais Dino Crisis, c'est un jeu incroyable. C'est un jeu qui, techniquement, poussait bien la console, hein, poussait bien la PS1. D'ailleurs, sur Dreamcast, j'ai pas grand-chose à lui redire à Dino Crisis, faudrait que je le trouve sur Dream. Ou je trouve Blue Stinger surtout sur Dreamcast, parce que j'ai vraiment envie de le faire en live. Alors, les deux sticks ne fonctionnent pas. Ah. Oh. I don't remember anything. Je me souviens de rien. Le moteur de New Crisis est basé sur celui de RE. Mais il est tout en temps réel. C'est la seule différence qu'il y a, en fait. Mais effectivement, oui, à mon avis, c'est le même. Donc, Resident Evil, en FPS, qui se joue exactement comme un vrai FPS. Alors, je pense que les sticks doivent être... Voilà. Alors, les sticks sont... Ah, d'accord. C'est chelou. Les sticks sont supportés, mais alors là, c'est le stick... Attends. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Là, c'est le stick gauche, du coup. Et si je fais le stick droit, ça fait ça.
C'est assez incroyable, quoi. Je préfère Dead Aim. Dead Aim. Bah, je l'ai téléchargé, Dead Aim, et il fonctionne sur la PS2 en réseau. Donc c'est plutôt cool. Je le ferai sûrement dans un autre stream. Ou alors si celui-là vraiment me saoule, mais je pense pas qu'il va me saouler suffisamment. Il faut vraiment que j'arrive au bout de celui-là. Je le ferai dans un autre stream, je pense, le Dead Aim. Mais ouais, je l'ai jamais fait, le Dead Aim. Le stick droit, il ouvre le menu, ouais, exactement. Dès qu'on appuie dessus. Oui, oh, ça va. De toute façon, ça, pour dire du mal, il y a du monde, hein. Ça, du coup, il sert à rien. Mais enfin, si, il sert à viser plus vite, du coup, le stick. Enfin, le support des sticks est pratique. Et quand on vise avec R1, donc comme dans Resident Evil, comme pour braquer, quoi. Ah oui, il y a un bouton, j'ai jamais compris à quoi il servait. Il y a un autre bouton, alors ça c'est R1, c'est pour viser, donc ça vous affiche le viseur, et à partir de là vous bougez plus, mais vous visez avec le stick, comme ça, pof pof. Et alors ce bouton là, donc L1, il fait ça. Et si je rappuie, ça fait ça. Voilà. J'ai pas compris à quoi ça servait. On peut jouer au GunCon 1, mais je n'ai pas de GunCon 1, et même si j'en avais un, je pourrais pas l'utiliser actuellement. Il me faudrait une télé cathodique. Je prévois de faire des lives en light gun, un de ces quatre, mais malheureusement, j'ai pas de light gun. Il me faudrait un GunCon 1, parce que je le trouve super stylé ce gun, c'est probablement le plus beau, je trouve. L'implémentation du stick droit à la Rayman 2, quoi. Rayman 2, ils avaient fait ça aussi? Ah, il y a un cadavre. You look familiar, but... Il est en train de parler à un cadavre. But I just can't remember. Le plus beau, c'est la Saturne. Je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. J'avoue. I know that this was no way for anyone. Ce qui est chiant, c'est que le GunCon n'était pas livré avec une pédale. J'aurais vraiment adoré qu'il y ait une pédale avec le GunCon. Ah, premier boss. Bon. Ça va, il était juste en face. Vous obtenez une clé rouillée. Salut Sam Nissan. C'est elle, regardez, il est là, il bouge sa petite papate. Oh, bonsoir. T'as l'air déçu. T'as vu, il va vers le titre du jeu, il essaye... Pendant tout le stream, il va essayer. Je te donne une mission, Sam Nissan, tu dois vérifier que Tails arrive jusqu'au titre. S'il arrive jusqu'au titre, tu dois nous en alerter. Rayman 2, tu bouges le stick pour tirer et tu cliques dessus pour sauter. Inutilisable. Ah ouais, c'est chelou. À l'usage, le Joy-Con 2 est mieux. Le Joy-Con 2 est super beau aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, je parlais vraiment des sticks 32 bits, pour le coup. C'était vraiment... Moi, ça me donnait vraiment envie. Alors, on a une gestion de l'inventaire. Juste envie d'essayer de comprendre. Handgun A. Handgun Bullet. Ah, on a les balles infinies. Ouais, les balles infinies. Ok. J'ai une clé rouillée, et c'est tout. C'est la seule item que j'ai. Ensuite, on a les files, mais j'en ai aucune. Ok, on a la map, pour l'instant, c'est vraiment comme Resident, hein. Pour le moment, il n'y a rien de plus, rien de moins, quoi. 2000, c'est très tard, hein. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça, c'était sorti, tôt que ça. Je crois que c'était sorti plus tôt que ça. Quand je disais arcade, balle infinie. Ouais, mais si tu te mets en hard, je crois que tu les as pas infinies, non? Je sais pas. C'est intéressant, en tout cas, comme approche. C'est pas arcade, moi je pensais, quand tu me dis FPS arcade, je pense rail shooter. Je pense à rien d'autre. C'est pour ça que je comprenais pas ce que tu voulais dire. Vous avez utilisé la clé rouillée. Oh, les portes sont très belles. Ouais, c'est le moteur de Resident Evil. S'ils ont mis des portes. Les portes de Dino Crisis étaient assez différentes, d'ailleurs. Ah, la musique, elle est complètement... what the fuck, quoi. C'est analogique. Plus on pousse le stick et plus on se déplace vite. C'est cool. Il bouge. Il est mort ou il est pas mort? Comment on reload? Comme ça, apparemment. Les zombies, c'est les modèles de RE2, on dirait, effectivement. Même les objets, on dirait des modèles pas du tout RE1. Enfin, on dirait des modèles très avancés, quoi.
toute façon, c'est 2000, hein, encore une fois. 2000, RE2 était sorti large, donc ça aurait été con de faire. De prendre les modèles de RE1. Mais ça aurait été marrant de prendre des modèles nouveaux. Ouais. Les modèles de Code Vero, par exemple, en avant-première. Pour le moment, le jeu est loin d'être mauvais. Je sais pas ce qu'on lui reproche, en fait. Faut que je regarde. Bon. Je sais comment ça va se finir, hein. Je vais encore dire il est pas si mal. Et je vais encore dire il est pas si mal pendant tout le stream. Hein. Parce que finalement, là, il est pas si mal pour le moment. Et peut-être que je vais tomber sur un truc rédhibitoire. Hein. C'est fermé. Je serais bien allé dans les portes de dehors quand même pour vérifier. Vu que là on n'a pas des loadings Saturn, on a des loadings rapides du jeu. There's no need to go back. Oh non! J'aurais au moins aimé essayer les portes d'avant, putain. Ça me saoule. Je peux ressortir par là. Je pense que tu vas le trouver très court ce RE. Ah, il est si court que ça? Parce que j'ai joué au Code Vero. Au Gun Survivor version Code Veronica. Et Code Veronica, bah pour le coup, tu disais jeu d'arcade, c'est clairement jeu d'arcade. Clairement. Celui de Code Veronica, au début de chaque niveau, le jeu t'indique ce que tu dois faire dans le niveau que tu es en train de faire. Donc en gros, tu dois. Il y a genre le niveau représenté en 3D, t'as la clé que tu dois aller chercher, l'utiliser sur cette porte, et c'est le niveau suivant après. C'est naze. Là, on a un écran Umbrella. Umbrella, je crois que c'est les méchants. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça, hein. Je connais pas bien Resident Evil, mais je crois qu'Umbrella, c'est les méchants. Et nous, les stars, on est les gentils, parce qu'on est un peu les stars du jeu. J'aime bien les rail shooters de la Wii. Umbrella Chronicles, ils sont très très bons. Je trouve ça très très cool. Il est surtout très on-rail. T'as masse de zones et de non-retour. Si tu veux voir un autre chemin, faut refaire le jeu du départ. Ah, la tristesse. La musique est cool en tout cas, la musique elle est bien bien péchue. Umbrella a créé le virus, non c'est vrai. C'était une boutade bien sûr, je connais bien Resident Evil. Non je connais assez bien Resident Evil, mais je connais pas celui-là. Je l'ai connu quand j'étais petit évidemment, parce qu'à une époque j'achetais tous les jeux où je les gravais. Et je pense qu'en 2000 clairement ma Play 1 devait être pucée, hein, pour être honnête. It appears to be a case for some equipment. On dirait un carton d'équipement. Très bien. On va passer à la porte. J'aime pas trop ça. Ça veut dire que quand je vais repasser dans ce couloir, je sens. Salut Fresh One. J'ai vu que t'as laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si c'est toi. Faut que j'aille regarder. Putain, Recallbox, le commentaire qu'ils m'ont laissé, c'est tellement anti-FPGA. Je comprends pas qu'un. Si c'est toi, d'accord. Je comprends pas qu'une boîte qui fasse de la préservation et de l'émulation à outrance soit contre le FPGA à ce point. J'irai le lire tout à l'heure, promis du coup. Ah, ici on a une note. C'est bien, les items, on les voit bien. Vous avez obtenu le report sur la Raccoon City détruite. Je dois te laisser, mais bon, c'est une bonne... merci Ryudo-san d'être passé, c'est cool. Repasse quand tu veux. C'est cool de te voir sur le stream. Bonne soirée. Tu as obtenu machin. Donc on va pouvoir le lire ou pas? Oui. Slide Raccoon City. Alors c'est Google Sheet, non, c'est ça. Le rapport après la destruction. Date 5 août 98. Rapport depuis l'UBCS, les membres de l'UBCS. L'attaque biologique, enfin le hasard biologique, on va dire, l'incident biologique qui est arrivé le 11 mai au manoir de Spencer. Et dans le laboratoire biochimique, c'est terminé le 25 juillet, quand les membres des Stars ont détruit toute l'installation. Depuis le 5 août 1998, il n'y a plus de signes viraux qui fuitent dans les zones alentours. Mais nous devons continuer de vérifier la zone avec beaucoup d'attention. Notre Albert Wesker, notre... La musique est excellente, vraiment. Notre agent secret, Albert Wesker, on va dire, allez, qui était présumé mort, et pourtant, nous avons reçu des informations que Jill Valentine et Chris Redfield préparent un rapport de l'incident à la presse et au chef de la police. J'ai demandé
en soit fait de la plus haute urgence. Est-ce qu'il ne puisse pas le faire, du coup, je pense? Nikolai Ginovaev? Ah mais non, c'est des rapports des stars, ça, c'est des rapports des gentils, en fait. Putain, il y a trop de rapports. Nikolai Ginovaev, c'est pas le mec de Resident Evil 3, ça? C'est le gars avec le béret dans Resident Evil 3 qui conduit le train, non? Il me semble. Répondu au commentaire de Recallbox qui dit que le Mister est pas donné et pas simple à config, l'installation c'est le même principe qu'une Recallbox. Je trouve ça même plus simple. Honnêtement, je lui ai dit, d'ailleurs, hein, je lui ai dit j'ai installé un Pi avec Recallbox et un Mister. Franchement, les gens qui ne lisent pas le commentaire que j'ai écrit, je leur en veux pas, parce que c'est n'importe quoi. Mon commentaire, il fait 15 milliards de lignes, puisque forcément quand on me sort un pavé et que je dois y répondre, bah ça fait un double pavé, et c'est un peu désagréable à faire, mais bon. C'est aussi facile, et alors en plus il met élitiste, inaccessible, compliqué, pas user-friendly, en fait il met la même chose mais en 4 phrases, je comprends pas. Mister TeleScript maintenant en plus t'as les scripts d'update, enfin c'est le truc, c'est encore plus full set friendly quoi. Bref, ma réponse elle était épuisante à faire, je l'ai faite juste avant le stream là, mais bon c'est pas grave. Je leur en veux pas parce que voilà, ils défendent leur beefsteak entre guillemets quoi. There's nothing special in the locker. Très bien. Ah, ils y mettent de la mauvaise volonté le gars du jeu là. Bon, vous savez quoi? Je vais éteindre la télé parce que je pense que je peux jouer sans. Même s'il y a de la latence, je peux y jouer. Pourquoi je fais ça? Ça s'est fait tout seul, monsieur, c'est parti tout seul. Ah, j'ai une bande spéciale, un film 35 mm. Je vais pouvoir le mettre dans la salle de projection en bas, je pense. Je sais pas, j'ai pas vu de projecteur, mais ça c'est quoi? Et c'est un... Ah ça, c'est un équipement d'édition de pellicule de film. C'est excellent, ça. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez marrant pour ceux qui connaissent pas. C'est quand vous devez faire de l'édition analogique. J'ai vu une vidéo récemment sur la BBC. Une très vieille vidéo de formation pour les monteurs de la BBC. Ils devaient jouer leur truc, leur vieille bobine, sur une énorme machine. Et quand il s'agissait de faire du montage, c'était vraiment pas comme aujourd'hui, au secours. Le montage numérique, c'est un vrai bonheur. Il fallait qu'ils aillent sur cette machine, qu'ils mettent la pellicule, qu'ils la coupent avec une lame ultra précise. Et après, il fallait mettre avec un petit pinceau une espèce de colle qui faisait fondre la matière de la pellicule, enfin la gélatine de la pellicule. Et une fois que ça s'était fondu, il posait l'autre côté de la pellicule de l'autre côté. Il fallait que ça soit une frame complète contre une frame complète pour que ça soit qu'on voit pas la coupure quoi. Et c'était ultra chiant en fait. Alors les monteurs d'aujourd'hui quand ils me disent oui mais c'est chiant de faire du montage sur les vidéos YouTube, putain mais imagine-toi à l'époque comment c'était quoi. Du coup ils faisaient des décomptes spéciaux, les caméras envoyaient des signaux sur les bandes pour dire à quel moment il faudra couper, à quel moment il faudra remettre les trucs. Il va y avoir des corbeaux là. Non. C'est chelou ça. Les corbeaux ils font du bruit dehors mais ils défoncent pas les vitres. Moi je pensais vraiment qu'ils allaient défoncer les vitres. Tu vérifies bien Tails hein, samedi ça, non? Comment ça marchait un Moviola? C'est quoi un Moviola? T'inquiète, je ne le quitte pas des yeux! J'arrive pas à reload. Ça aurait été bien qu'il fasse un bouton reload. En vrai. Tails ne devrait pas tourner le dos à l'action. Non, Tails, il essaie d'aller vers le titre du stream. Il essaye, hein. Il y met tout son petit cœur, là. Mais il galère. Du coup, j'ai pas la machine à projection qui est là. Je sais pas comment faire. Comment je fais du coup, finalement? An old movie screen is hung here. Un vieil écran de film est accroché et c'est... Un Moviola, c'est un des appareils utilisés pour monter des films. D'accord. C'est pas l'appareil qui permet de couper les pellicules? L'appareil qui permet de couper les pellicules, c'est un truc de fou quand même. Tu dis vraiment qu'à l'époque, ils galéraient pour faire les films, quoi. Du coup, je regarderai plus les vieux films de la même manière. Pourquoi est-ce qu'ils me remettent des ennemis tout le temps, en fait? Vous n'avez pas marre, évidemment. En fait, t'as pas trop envie de faire du beau geste dans ce jeu. Parce que ça te rapporte rien. Vu que t'as les balles infinies, déjà, bon, voilà. C'est plus un appareil pour visionner sur un petit écran, d'accord. Une sorte de portable... C'est locked. Salut Loïc! Comment ça va?
Alors là, par contre, il mélange les deux musiques, ce qui est un peu bizarre. Hein. Je pense que ça, c'est la musique, il y a encore des ennemis. Cette musique-là. Ah, c'était bien headshoté, là. Est-ce que t'as passé un bon week-end, Loïc? There's no need to go back. Je sais pas où il faut que j'aille. Bon, c'est pas grave, on va retourner là-haut, j'ai l'impression que j'ai raté un truc. Mais il doit y avoir un projo. Il y a forcément un projo quelque part. Il m'aurait pas filé une bande de vidéos s'il n'y a pas de projo, quoi. Ce que t'as dû voir sur la vidéo de la BBC, c'est un Steinbeck, un truc comme ça, ouais, qui faisait du montage sur des bandes de 16 mm. C'était pour la télé. C'était pour la télé, c'était pas pour le cinéma. C'était pour la télé. Mais du coup, c'était une émission de télé. Elle démarrait avec un décompte hyper long, et quand la caméra... Quand l'opérateur démarrait la caméra, parce que c'était des opérateurs, ils appelaient pas ça. Ah mais je suis con, elle est là, la machine à film. Je suis vraiment débile. Ils me la mettent à côté, et moi je galère, quoi. C'est cool, j'ai joué à Pokémon Or. Et le premier Phoenix Wright. Alors ça, Phoenix Wright, il faudrait que j'essaye. J'ai placé le film 35 mm. Alors voyons voir ce qui se passe sur ce film. Merde. Non, il faut que j'aille dans la salle d'en bas, du coup. Cette fois-ci, il faut que j'aille dans la salle d'en bas. Elle... Je les vois pas. Ils sont noirs sur fond noir. Putain, ils m'ont touché! J'avoue que GunCon, ça doit être rigolo quand même. Je pense que là, le summum du fun n'est pas atteint parce que je joue pas au GunCon. Mais je pense qu'au GunCon, ça doit être rigolo quand même. Le premier Phoenix Wright, il faut vraiment que je les fasse, les Phoenix Wright, mais ça coûte tellement cher. Et je veux pas de R4. Ah, un objet est miraculeusement apparu. Donc on a des bactéries. Une souche de virus, je pense. Apparemment, il n'y a pas de méchant. On a une clé! La classe. Tu as la clé du théâtre, donc ça va sûrement me permettre d'aller à côté. D'ailleurs, ton commentaire sur Recallbox, vous avez, je pense, besoin d'une mise à jour. Mais c'est vrai! Il a vraiment besoin d'une mise à jour sur le FPGA, parce que je pense qu'il ne sait pas ce que c'est. Quand il dit le FPGA n'est pas fiable, exactement comme l'émulation logicielle, le FPGA je sais plus, il a dit un truc, mais complètement faux. Comme si ça marchait pas, en fait. Comme si le FPGA avait des... ne pouvait pas tout faire marcher. Mais si, en fait. À partir du moment où tu fais un corps FPGA final d'une machine, tout tourne dessus. Il n'y a pas un seul truc qui ne tourne pas. C'est ça qui me tue. Du coup, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris, en fait, son commentaire. Je sais pas s'il voudra vraiment aller en MP pour me lire après ça, mais... Vous avez utilisé le Theater Key. Moi, je pense vraiment qu'il connaît pas le FPGA, en fait. Bah, je pense pas qu'il perdra des clients, puisque les gens qui achètent des Recallbox, c'est des gens qui ont pas les moyens d'acheter du FPGA. À mon avis, il y a la place pour les deux. Alors, je sais pas s'ils étaient conscients que les chiens faisaient le tour de la map, mais je pense que s'ils avaient su, ils auraient pas fait ça. Oui, bah alors là, oui, effectivement, alors. Dans ce cas, vas-y, fonce-moi dessus. Oh, c'est chiant, putain. Les chiens sont très relous dans ce jeu. Putain, ça va être un enfer. Oui, je sais pas, du coup, je pense qu'il sait qu'il perd des clients, mais à mon avis, c'est pas les mêmes clients, quand même. Ce sont des produits dans des gammes de prix complètement différentes. FPGA, c'est 200 € si tu montes toi-même. Un RP4, leur pack, c'est 120 €. Et quoi, la box, ils ont encore de beaux jours devant eux. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je sais pas pourquoi il descend le FPGA en flamme. Le mec comprend pas ce que c'est, quoi. Ça m'énerve, en fait. Ça m'a énervé de lire son commentaire, du coup j'avais envie de lui répondre sèchement. Et j'espère que c'est sèchement juste comme il faut. Téléphone! Ah, c'est un peu Silent Hill. Ah, c'est trop tard. Super!
Il y a eu une augmentation récente de prix, parce que moi je l'ai payé 120 la carte avec la RAM. Après, si tu veux un FPGA qui joue la Neo Geo par exemple, la Neo Geo et tout le bordel, si tu veux vraiment tout jouer, il faut une barrette de RAM. Après, la IO board elle est pas du tout obligatoire, ça c'est clair. Et il faut un ventilateur, c'est quand même mieux aussi. Moi je sais que j'ai un ventilateur sur mon Mister FPGA et que si j'en ai pas, je pense que je paniquerai pour lui. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à rajouter, mais ça reste quand même aussi simple qu'un Pi 4 à configurer, ou qu'un Pi n'importe lequel d'ailleurs. C'est fermé de l'autre côté. Donc on va se casser. Rien d'ouvert. Ah si, attends, il y a là. Je crois que c'est pour se faire un Mister, il faut sourcer des composants et le prix de la carte de base ne baisse pas, au lieu d'augmenter. Ah mais bien sûr sur Pi ça continue. Le pire, c'est que je dis même pas du mal de l'émulation. Hein. C'est ça qui est drôle. C'est le truc qui a le moins été saisi dans l'histoire, c'est ça. Hein. C'est que tout le monde est persuadé que je dis du mal de l'émulation, alors qu'à aucun moment je fais ça. Il y a des liqueurs dans celui-là. J'aime pas les liqueurs. Ah ouais, puis alors ils sont bien relous. Hein. De caution à caution, c'est quoi ces green herbes AliExpress là? Ouais, parce que putain, les green herbes de ce type là, j'en veux pas moi. Ouais, il faut vider deux chargeurs dessus, hein. C'est le bonheur. J'ai bien fait de vider le quai parce qu'en fait il y avait un objet. Je l'aurais pas pris, je pense. La clé craquée. Ça me tombe en gameplay ce RFPS. Bah en fait, c'est mieux avec le gun à mon avis. C'est un jeu qui se joue avec le gun à la base. Hein. Ça se joue avec le gun code. Ça se joue avec la manette. Et quand tu passes en mode fight, en mode. Il y a des monstres. Tu dois prendre le gun, j'imagine, et tirer sur ce qu'il y a à l'écran. Donc fatalement, c'est plus facile avec le gun qu'avec la visée, quoi, qu'on active avec R. En fait, quand on active la visée, ça met un viseur à l'écran. J'aurais préféré un gameplay FPS si t'as pas le gun, en fait. Mais ce qu'ils ont fait, c'est un gameplay shoot avec la visée à la main, quoi. Pas évident. Téléphone. Vincent. Who is this? De mémoire, je crois que la RAM, il en faut quand même 32 MB. Pas 128, mais 32. Sinon, il n'y a que Mega Drive et NEC qui marchent, je crois. Am I Vincent? Tu es Vincent? Vincent, you are a murderer. A murderer. A murderer? What are you talking about? Ah oui, c'est plus qui. Il a dit qu'il avait mal à la tête. Et donc quelqu'un vient de lui téléphoner pour lui dire que c'est un meurtrier. Un meurtrier ! J'ai lu dernièrement que pas mal de corps a été modifié et n'en avait plus besoin maintenant. À la classe. Par contre, Neo Geo, non. À mon avis, à Neo Geo, il en aura toujours besoin vu la taille des cartouches. Vu que tout se passait en RAM et que c'était des cartouches immenses. Mais c'est cool, c'est une bonne nouvelle, oui. Ça veut dire qu'il y a des corps qui doivent fonctionner sans RAM. Faut pas dire ça à Recallbox. Neo Geo 128 obligatoire pour beaucoup de jeux. Après 32, ça peut suffire pour certains jeux. J'avais fait un stream et j'étais un peu deg parce qu'il y a des jeux qui marchaient pas du coup. C'est 2 ou 3 jeux qui ont besoin de 128. Putain, 2 ou 3 jeux? T'es sûr de toi, Fresh One? Parce que j'avais fait un stream Neo Geo et. Il y en a beaucoup qui bloquaient, hein, quand même. Il y avait Cyber Troopers. Non, c'est pas Cyber Troopers, comment il s'appelle? Oh, des hélicoptères en 3D. Il faudrait que j'achète un scanner aussi pour faire de la préservation. Made in France me l'a dit. Made in France, je suis en discussion avec Matt. Remember your mission. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Now move out. A cleaning of the area, il a dit. C'est chelou. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Matt le Suisse, ouais. 8 jeux d'après le repos GitHub.
Bah j'ai dû tomber sur les 8 jeux. Oh, une salle d'arcade. Excellent. Oula. Ah mais c'est nul ces trucs. Ça tient pas le coup. Un liqueur, il tient 1000 fois plus longtemps. Il a dit 2 ou 3 lui. Ah lui, il doit pas... Il est peut-être pas au fait de ce qui se passe. Hein. Ah, je sais à quoi sert le bouton, ça y est. Ce bouton-là sert à indiquer l'endroit d'intérêt le plus proche. Quand on regarde là, par exemple, hop, ici, il y a une porte. Ça permet de switcher d'écran, de trucs en, de, d'écran en écran. De choses importantes à choses importantes. C'est bien vu. Cette salle d'arcade, elle est super bien faite. On dirait une vraie. Y a pas d'objet, sérieux? Y a pas une petite plante, là? Parce que je suis en caution. Franchement, les bornes, elles sont super bien faites, quoi. Je suis en extase devant les bornes. Et oui. Il y en a 16, visiblement, qui ne fonctionnent pas sur 32 mégas, dont 8 qui fonctionnent sur 64. D'accord, d'accord. C'est pas grave. Oh non. What the... Ah, c'est qui les a tués? Die, Vincent! Die! Mais pourquoi il veut me tuer? C'est qui veut me tuer déjà? Moi j'ai pas 128, j'ai 32. J'ai 32 et j'avoue que quand j'ai eu le Mister, le fait que le corps Mega Drive marchait, je me suis dit, mais en fait, c'est bon. J'ai besoin de rien acheter. J'ai toute la Mega Drive à moi. Puis le corps Mega CD est arrivé, je l'ai mis et j'ai fait, ah, il faut de la RAM. Merde! Le corps Mega CD, il nécessitait de la RAM, du coup, j'étais dégoûté. Il nécessitait 32 megs. Je sais pas trop aujourd'hui où il en est. Peut-être qu'il en nécessite plus. Mais ouais, clairement, le corps Mega Drive, il est hallucinant. Hein. Il marche tellement bien, putain. C'est incroyable. Le corps Mega Drive, c'est... Waouh. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il me parle des réseaux sociaux aussi, le mec de Recalbox, alors que je le suis de partout. J'ai même follow un jour... Enfin, je l'ai follow alors que c'était... Je crois que c'est lui qui était en mode... Il était en stream à ce moment-là. Il lisait des vieux magazines. Et quand il dit que ses streams et ses vidéos YouTube sont bénévoles, j'y crois moyen. Je sais pas pourquoi, mais... Les revenus Twitch, à mon avis, ils vont pas dans le vent, quoi. Tu as utilisé la clé arcade. Eh bien, très bien. Entrons dans la clé arcade. Entrons dans la salle arcade. Je suis content, le setup de lumière marche vachement mieux avec la webcam que... Ah ! Quoi ça? C'est un pied de biche. Ah non, c'est un ouvreur de... Pardon, c'est un levier qui ouvre les plaques d'égout. C'est pas vraiment un pied de biche. Même si ça peut servir de pied de biche. Volcano! Les décors sont jolis, j'aime bien les décors low poly, mais les décors low poly PlayStation, ça me fait toujours délirer avec les textures qui warp dans tous les sens. Je trouve ça super beau, mais je sais pas expliquer pourquoi. Ça me rappelle des souvenirs, je pense que ça touche à la nostalgie, hein. Mais c'est assez cool quand même. J'aime bien le côté outre jeu. Est-ce que j'ai encore de la vie? Pas du tout. J'ai rien du tout pour me mettre de la vie, on dirait. Ah la tristitude. Oh là là. Ça va être la merde. J'aurais pas dû essayer de tuer les liqueurs. J'aurais dû prendre la clé et me barrer. Arrêtez de me frapper là comme ça. Oh 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 oh. Arrêtez. Un spray. Vous l'avez vu, le spray premier secours, on l'a reconnu tout de suite. Le spray premier sec. Je confirme, c'est que de la nostalgie ça. Mais t'as vu? Une table de blackjack en 3D PlayStation 1. C'est tellement beau. D'ailleurs, c'est pareil, hein. En émulation, elle serait belle, mais du coup, je suis très content de l'avoir en moche. Très content d'être en Real Hardware ce soir. Et puis c'est pareil, putain, Recalbox, ils ont un discours mais tellement alarmiste sur le vieux hardware. On a l'impression qu'ils ont aucun vrai hardware pour dire que tout est en train de mourir, quoi. C'est à se demander si chez eux, c'est pas tout en terre et que tout est en train de se désagréger, quoi. Il y a plein de consoles qui fonctionnent encore, il faut arrêter avec ce discours
alarmistes, quoi. Les vieux ordinateurs, oui, mais... Il y a le ray tracing 60 FPS et le 4K. Regarde cette télé 4, et 4K. Attends, si tu veux, je me mets en vrai mode. Voilà, attends. Je vais me mettre en vrai mode, voilà. Là, on est en mode... Attends. Le vrai mode streamer, genre jusqu'au bout, tu sais. Voilà. Voilà, là, je suis en mode streamer. Là, c'est bien. Je vais mettre le chat là, comme ça, il sera bien chiant. Voilà. Là, on est en mode streamer, là. En mode 16/9, avec de l'émulation qui a rien à voir. Et voilà, là, c'est bien, là. Ah, Tails a bougé. Je crois. Il a disparu, Tails. Il est pas sur cet écran-là. Vous avez vu, le jeu est en 16/9, c'est incroyable. J'ai poussé un bouton et paf. Allez, on repasse en mode normal, s'il vous plaît. Un peu de respect. Le pistolet. Ah, j'ai un nouveau pistolet. Le Handgun C. Donc c'est un Magnum, j'imagine. Pourquoi il s'appelle Handgun C, je ne sais pas. Mais on va essayer. Et un Ray Tracing 60 FPS. Il n'y a pas encore d'émulateur. Ça serait marrant qu'il y ait des émulateurs Play avec du Ray Tracing. On remarque qu'il y en a peut-être déjà, en fait. Donc lui, il a que 15 balles, par contre. Alors, on va l'équiper. On va regarder un peu à quoi ça sert. J'aimerais bien... Il y a le First Aid Spray. Je me tâte à l'utiliser, le First Aid Spray, mais je pense que je peux encore vivre sans. Alors, Fresh One TV, heureux avec ton Mister. Mais ça fait pas longtemps que tu l'as, Fresh One. Il y a le Mario 64 PC avec RT, déjà. Ouais, mais PC. Ah, ça fait que 2 semaines que tu l'as. Je pensais que tu l'avais depuis des années, moi. Si, alors du coup, c'est là qu'il faut l'utiliser, le manhole opener. You don't need this right now. Si. Alors, je te montre. Bonjour, jeu. Alors ici, tu vois, je suis sur un manhole. J'aimerais utiliser le manhole opener. S'il te plaît. Ah. Ça va être... ça va être rock'n'roll. Ça y est. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Et il a des frame drops avec une RTX 3090. Oh putain, sérieux. C'est incroyable qu'ils aient si mal optimisé le bordel, quand même. C'est qui c'est Digital Foundry, du coup. C'est pas dans Digital Foundry que t'as lu ça, Samy-san? Parce que j'ai vu la vidéo de Digital Foundry, ils ont dit qu'ils s'étaient mis dans un ray tracing où ils faisaient pas double reflet, je crois. C'est genre, le ray tracing contre le ray tracing ne fait pas les reflets du ray tracing. D'accord, ok. Bah c'est ce qu'il disait dans la vidéo, donc je pense que c'est à peu près... C'est pour dire que c'est mal optimisé, quoi. Après, c'est le début. Hein. Tu peux activer le double reflet, je crois. Tu peux l'activer, mais apparemment, il rame surtout. Ah! You have used the manual opener. Tout seul, en fait. Il fallait pas essayer de l'utiliser soi-même. Ouk. 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 Wouah! Ah, ce qui me rend dingue, c'est qu'on peut pas lever et baisser la tête. Ça, c'est un truc, ça me dépasse, perso. Je trouve ça dingue qu'ils aient pas fait ça dans le jeu, quand même. Qu'est-ce qui est écrit, là? Ça, c'est écrit et c'est lisible. C'est une texture lisible. No one is admitted to room without a permit. Ok. Ouais, je suis rentré quand même. Parce que je suis un thug un peu. Asenka et Matt, bien vendu. Tu m'étonnes. Vu que tu peux pas du tout tourner la tête tout court dans un RE normal, il se disait que ça aurait été trop. Ça aurait été trop de degrés de liberté d'un coup. C'est vrai, dans Resident Evil, tu peux faire que gauche et droite, t'as raison. Quelque part, du coup, ça fait sens. Où est la machine à écrire? Parce que là, on dirait une zone safe, vu la musique. Alors. Le janitor Andy's Diary. Très bien. Joueur caretaker Andy's Diary. September 6th. I've never seen him. But I heard that one called Vincent has become this city's supreme commander. Officially, he is an elite sent by Umbrella Headquarters. In truth, he is such a fiend. Je crois que Fiend, c'est l'inverse de Friend. Enfin, Fiend, c'est pas bien. That he would not hesitate to kill his friend if it would promote him. Well, since I live here, in this dark sewer, it doesn't mean anything to me. I heard a disgusting rumor. The new commander Vincent orders the facility personnel to do savage experiments
Every Day on Kids Brought In From All Over the World. Ah, ils font des expériences sur des enfants. Je ne sais. I don't even know why those kids were brought to the city. Brought to the city. But it sure is disturbing. Well, I don't want to get involved. So long as it doesn't affect me. Some terrible accident happened above ground last night. I don't know any more details. D'ailleurs, that commander Vincent has done something cruel. Le commandeur Vincent, c'est un salaud. Aujourd'hui, enfin, le commandeur Vincent est descendu pour une inspection. On a un peu discuté, mais je n'ai rien pu voir. Je n'ai rien vu à part de la cruauté en lui. Quand j'ai pris une photo de lui en souvenir, c'est là qu'il est devenu très désagréable. C'est tellement un salaud. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de défauts sur les configs d'Antonio. Le mien vient aussi de chez lui et ça fait un peu moins de 2 ans que je l'ai, pas de problème. Moi j'ai aucun souci, mais il vient pas d'Antonio le mien. Moi mon DE10 Nano vient de Mauser et j'ai juste rien fait de spécial dessus. Ah. A picture. Pour l'instant c'est pas désastreux le jeu. No, this is me. Bah oui, Vincent. I am Vincent. Mais oui, putain. My fault. Ça fait 3 fois. Who are you? Wait. Ah, un enfant. Don't kill me. Il y a des enfants. I didn't know anything about you then. Viens par là, petit enfant. Stop. Forcément, t'es chelou, mec. Tu vas vers lui alors qu'il dit viens pas vers moi. Donc, forcément. Oh, putain, toutes les photos qu'il y a ici, ça fait peur. C'est quoi ça? Shotgun bullet. Mais j'ai pas de shotgun, c'est bien. J'ai des bullets. Il y a des photos partout sur les murs. Le corps Neo Geo Pocket semble être dans les plannings. Cool. Cool. Romain gère bien. Quand tu prends dans sa boutique, moi c'est Made in France qui l'a monté. D'accord, ok. J'ai rejoint le Discord de Made in France récemment. Apparemment, il y a eu un débat sur ma vidéo émulation. Il y a plein de gens qui ont... Enfin, il n'y a pas que des gens qui étaient contre moi. Apparemment, il y a des défauts de fabrication. Parfois, le mec fait tout lui-même. On soit des super trucs, mais il y a parfois des soucis sur la manière dont c'est monté. Ah. J'ai vu un truc assez intéressant aussi sur YouTube. Il y a des gens qui vendent des cartes mères de NES non peuplées. Des cartes mères avec l'emplacement de tous les composants. Ils sont pas soudés. T'achètes les composants à part et tu peux recréer la NES. C'est assez fou, quoi. Tu peux recréer une NES chez toi. C'est complètement dingue. Il y a un modeur américain qui a fait une vidéo où il l'assemble et c'est ça donne vraiment envie en fait. Bon après j'ai déjà une NES donc je vais pas le refaire mais pour ceux qui ont pas de NES et qui aiment la soudure, ça peut être rigolo. Plusieurs images sont postées sur le mur. Ok d'accord. Pas plus d'infos que ça. Bon bah effectivement il est très linéaire pour l'instant le jeu par contre. Il est cool mais il est très très linéaire. Danger! Danger! Est-ce que j'ai le. J'ai vraiment le handgun C? J'ai vraiment le handgun C d'équiper. J'ai l'impression qu'il fait rien. C'est assez hallucinant. On voit quand même le handgun C. Il est où? Je vois pas où il est le liqueur. La NES, ça a l'air trop cool, faut que je retrouve le nom du projet. Très intéressant, vraiment. Hein. Pour moi, monter une NES de A à Z, ça m'encourage beaucoup. Par contre, je sais pas où tu récupères la shell. Tu récupères la caisse de la console, je me demande. Je me demande comment tu fais pour la mettre dans une case et l'utiliser vraiment. Mais c'est vachement intéressant. Hein. Effectivement. Faut souder chaque résistance à la main et tout. Paradise, c'est écrit. Ok. C'est étrange comme endroit. Juste une porte en face. Bizarre.
Hey, not so bad, hey? Par contre, est-ce qu'il m'a changé de gun? Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les balles infinies aussi sur celui-là. J'ai plus que 5 balles? Mais j'en ai utilisé beaucoup plus que ça, non? Je comprends pas du tout la différence entre handgun C et handgun A. Ah, mais ça y est, j'ai les balles limitées maintenant! Mais je comprends pas. Je comprends rien. Handgun A. Handgun bullet. D'accord, ok. Alors je sais pas pourquoi j'ai le C et le A. Je vois pas la différence. Même visuel, hein. Pour moi, c'est les deux mêmes. Ah non, c'est pas les deux mêmes. Il y a un Beretta et un espèce de Smith & Wesson, là. Je connais pas bien les armes. Mais j'ai l'impression quand même que ça doit pas faire le même dégât, sinon il m'aurait pas filé un nouveau flingue. J'aimerais bien reload aussi sans avoir besoin de... Bon bah tant pis. Je vais reload parce que ça m'énerve de pas avoir assez de balles. Là il y a office, sinon il y a prison. On va aller en prison. Ok, ok. Très bien. Ça paraît logique que les prisons soient fermées. On va aller dans office. Quand même une grosse assistance à la visée. Et ça se voit. Il s'est relevé lui. Et une énorme assistance à la visée en fait. À partir du moment où t'es sur un ennemi, il... J'avais pas remarqué jusqu'ici, mais il reloque l'ennemi en fait. C'est assez cool. Globalement, j'adore. Hein. Vraiment, la 3D... pas le jeu. Hein. Le jeu est pas excellent. Le jeu est pas mauvais, mais il est pas excellent. Par contre, la 3D low poly comme ça, c'est trop bien. Franchement, j'adore. On dirait un demake, en fait. On dirait un demake moderne de Resident. Les gardes de la... Ah, d'accord. Le calendrier de travail des gardes de la prison est écrit ici. Sur une craie, sur un tableau noir. Ouais, une petite NES à souder soi-même, une Mega Drive à souder soi-même, ça serait stylé. Peut-être pas une Mega Drive, peut-être une Master System, parce qu'une Mega Drive, ça serait vraiment compliqué. Il y a vraiment des composants chelous à mettre. Le 20 octobre, aujourd'hui, nous avons reçu une réponse à notre rapport d'incident où 20 cochons d'Inde se sont suicidés l'autre jour. The headquarter does not seem to have any suspicious and says that they plan to gather replacement grenades. D'accord. Et le QG va nous envoyer des cochons d'Inde de remplacement. Mais maintenant il commence à regretter. Je commence à regretter d'avoir envoyé un rapport. Un faux rapport de suicide de masse. Enfin, c'est en fait une. D'accord, en fait ils se sont échappés, ils se sont pas suicidés, le mec a fait un faux rapport. As long as I stay in this city, it means death to me. If I dare to oppose the commander Vincent. D'accord, ok. En fait, il avait peur de mon commande, de moi. Donc, il a fait un faux rapport pour avoir des cochons d'Inde parce qu'ils se sont échappés. Je n'oublierai jamais le sourire cruel de Vincent quand il était en train de shooter, de tirer sur les garçons qui essayaient de s'échapper de la prison cette nuit. On dirait qu'il. On dirait qu'il tuait un paquet d'insectes. Le commandant Vincent est vraiment... est une personne de sang-froid. Exactement comme la rumeur le dit. C'est un vrai meurtrier. Je suis dans une position où je suis supposé faire un rapport sur la vérité dans le QG. J'ai tellement peur du commandant Vincent que je ne sais pas quoi faire. Très bien. Eh ben écoutez, je suis un gros enculé. J'adore jouer un connard dans les jeux, ça tombe bien. C'est vrai que j'adore jouer un connard dans la vie, mais là... C'est les clés de la prison, ça, je crois. Prison key, non? Prison cell key. Umbrella! Putain, ce logo Umbrella est tellement incroyable. C'est une texture séparée du mur. Ah non, c'est la même, pardon. Même... Non, c'est pas la même. C'est deux textures séparées. C'est marrant. C'est rigolo qu'ils aient fait ça. Enfin, ça coûte moins cher en texture. Mais il y a quand même de l'alpha. Y a rien à fouiller dedans. Okay.
Various books on umbrella. Des livres sur les parapluies sont alignés ici. Mais d'où ? On va fuir et on va essayer d'avancer un peu hein, parce que sinon j'ai pas fini. Alors quel est le premier jeu Fresh One que t'as fini sur ton Mister? Dis-moi. Moi j'ai hâte qu'il fasse la Neo Geo CD sur Mister. Je comprends pas qu'il le fasse pas déjà d'ailleurs. La Neo CD ça serait génial pour les jeux qui sont pas sortis en AES. Et il y en a. Hein. Ou en MVS. J'ai la corde. Neo Geo CD. Qu'est-ce qui m'intéresserait d'autre? Il y a tellement de corps qui manquent. Saturne, je vais arrêter d'y penser. Shinobi sur Mega Drive, très bon ça. Ah ouais, dans la tête ça marche mieux. C'est étonnant, non? Ah c'est vrai, je me suis fait toucher pour une fois par un zombie. Première fois que je me fais toucher par un zombie. Un frigo. Il est vide. Il est vide. Des casiers. C'est comme le commissariat de Resident 2 hein, quand même. Il y a moins de détails. Ça fourmille moins de détails complexes, mais c'est pas mal. Revenge of Shinobi. Il y en a combien sur Mega Drive des Shinobi, tiens? What? Il y en a beaucoup. Attention quand même aux 50 et aux 60 Hz de Shinobi sur Mega Drive. Important. Attention au sujet du 50 et du 60 Hz parce que c'est pas facile à démontrer quand même. Le système 16, ils font ? Attends, j'ai raté un truc. Il va y avoir une carte système 16, tu veux dire? Il va y avoir un corps système 16 plutôt. Ah, il y a un humain là. Son cou a été coupé. Et a été coupé ouvert. A été ouvert. Par une lame aiguisée. Super Shinobi 2. Ok, le 3 donc. Shinobi 3 du coup. Le système 16. Le Shinobi original est en cours de développement sur Mega Drive car il n'est jamais sorti dessus. Excellent. C'est un portage du coup. Salut Galvatron, comment ça va? Bienvenue sur le stream. On joue à Resident Evil 9. Au futur remake. Ça serait marrant, putain, alors s'ils font ça, si Capcom fait ça, ils ont tout mon respect. Mais 2000 fois. S'ils font Resident Evil Survivor Remake, de la qualité de Resident Evil 8 ou Resident Evil 7, ils ont tout mon respect. Voici. Alors, on va lire le journal intime d'un jeune garçon. Un garçon emprisonné. Le journal intime d'un garçon emprisonné. 5 septembre. 16 jours sont passés depuis que j'ai été kidnappé dans une rue au Congo par des gens en noir et que j'ai été amené ici. Je ne comprenais pas ce qui se passait d'abord. Mais j'ai commencé à comprendre la vérité de cette ville. Alors c'est une ville spéciale, et on dirait que ça rejoint Resident Evil 5, parce que ça se passe au Congo, il me semble, Resident Evil 5. On dirait que je suis confiné ici pour servir de cochon d'Inde. De cobaye, du coup, Guinea Pig. For a medical company called Umbrella Inc. Tous les résidents de cette ville travaillent pour Umbrella, même la femme et les enfants de... sont des membres de la famille des employés. Il y a 3 Shinobi sur Mega Drive, d'accord. J'aimerais bien voir ça. Shadow Dancer. Le premier, c'est juste de l'arcade et un vrai portage amateur, c'est incroyable. J'ai hâte de voir ça, franchement. De voir ça.
J'ai hâte de voir ça, effectivement. Le cobaye... Les cobayes semblent être récupérés de partout dans le monde. Le mec dans la salle d'à côté est de Chine. Celui dans la cellule... Celui devant ma cellule est du Brésil. Le reste sont russes ou japonais. C'est comme si c'était un spectacle de partage mondial. C'est bizarre qu'ils soient tous autour de mon âge. Le plus jeune a 16 ans, le plus vieux a 19 ou 20 ans. Les gens d'Umbrella nous emmènent parfois à la salle d'arcade ou au nightclub pour que nous amusions et qu'on ne soit plus stressés. Mais je ne les décevrai pas. I will not let them deceive me. Je vais m'échapper de cet endroit. Je ne les décevrai pas du coup. Quoi qu'il en coûte, je dois. En tout cas, la chose la plus importante à faire maintenant, c'est de m'organiser et de récupérer mes potes par rapport à ce qu'il y a à faire devant nous. Il y a des démos de dispo, putain, c'est classe. Sous forme de ROM Mega Drive, du coup. C'est dingue. Ça a l'air sympa comme boîte pour travailler, Umbrella. Ouais, c'est cool. Bah là, c'est pas les travailleurs d'Umbrella, hein, c'est des cobayes. C'est les enfants qui ont été kidnappés partout dans le monde. C'est éthiquement, c'est spécial, hein, quand même. Je peux pas y croire, un nouvel ami, Chin, de la salle d'à côté, a été emmené à l'usine dans les montagnes. C'est marrant que ça soit l'usine de RE8, pour le coup. Je pense pas que Chin reviendra. Il rencontrera sûrement le même destin que Anna ou Jacob, qui ont disparu la semaine dernière. C'est pour la science, c'est important quand même. Salut Starbuck, comment vas-tu? Bienvenue sur le stream. Anna ou Jacob qui ont disparu la semaine dernière. Je sais ce qui s'est passé pour ceux qui ont été emmenés à l'usine des montagnes. Quand ils m'ont envoyé au nightclub hier, j'ai entendu une conversation que des travailleurs de l'usine, par ordre de Vincent, le commandeur de cette ville, ont vu leur cerveau ouvert et extrait, et de ce cerveau ont extrait des matériaux. Tout ce que je peux dire, c'est que Vincent est démoniaque. Non, pas juste Vincent, même la fille et les enfants de cette ville ne nous traitent pas comme des humains, mais comme des cobayes. Tous les gens de la ville sont démoniaques. Je vais sûrement être tué. Si je reste ici plus longtemps, je dois partir et faire un plan d'échappation. Le temps est venu, j'ai vu que les gens d'Umbrella ont été dérangés, visiblement, pendant une semaine environ. Les rumeurs disent qu'il y a eu un terrible accident dans un laboratoire d'Umbrella, quelque part en Amérique. All the prison guards, tous les gardes de la prison, seems to be very busy gathering information on the accident, so security isn't as tight. Tranquillez-vous les gens, moi ça va super bien, regarde, on joue à Resident Evil, et en plus maintenant on voit tout l'arrière de chez moi. Beau. J'aime bien. J'ai complètement changé de place mon bureau et du coup ça rend vachement mieux. Et du coup j'ai une bulle où je peux me déplacer. Et regarde, il y a Tails. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon bah écoute, on va pas tout lire hein, parce que c'est laborieux de lire. Je pense qu'il est mort à la fin. Mais n'hésitez pas à acheter ce jeu si vous voulez en savoir plus sur cet enfant qui avait donc un pote de cellule chinois qui apparemment est mort. Ah non, il était envoyé dans les montagnes, c'est pas lui du coup. Donc là aussi, il a été égorgé. En fait, ils ont égorgé tout le monde, les mecs d'Umbrella. Sympa! Je savais que ça te plairait, Samissa. What? Ah, c'est de là que je viens. J'ai pas fini d'explorer, moi. Je sais pas si Tails, je peux le mettre où je veux. Ah si, je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre même là, genre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la salle du bout? Il y a Totakeke aussi. Ouais, Totakeke, il est juste là. C'est mon Totakeke en peluche acheté à PlayAsia. Mais pas...
pas récemment. Genre, acheté à PlayAsia par rapport à la version GameCube. C'est assez hoche. Parce que même à l'époque, il était déjà bien collector. Quoi. Aujourd'hui, je sais pas combien il coûte, mais là, pour le coup, c'est la version GameCube. C'était pour la sortie GameCube, celui-là. Ah! C'est les douches! Est-ce que vous sentez comme une odeur de savonnette? Ah, par contre, les shotgun bullets, elles sont limitées. Du coup, ouais, on va jouer avec, mais pas longtemps. Pas longtemps, les enfants. Hein. Je le sors juste pour que vous le voyez. Oh, putain, c'est bizarre. Dit comme ça. Ouh! Ouh! Oh, c'était efficace, ça. Le deuxième boulette a été efficace. Bon, par contre, on va se rééquiper du gun. Parce que c'est pas Versailles ici, quand même. J'ai envie de dire. Je pense que c'est un de ces jeux parfaits pour illustrer l'instabilité de la 3D de la PS1. Oui. T'entends quoi par l'instabilité? L'instabilité, c'est le côté warping de texture, je pense. Et tu le remarques pas, Loïc? Si, quand même. Dis-moi que tu le remarques. Dis-moi que tu remarques que la 3D est pas stable, genre. Oh putain, et là, la 3D est stable, comme par hasard. Comme par hasard, quoi. Enfin, je sais pas, mais là, tu vois, c'est tordu, quoi. Attends, la porte, c'était bien. Tu vois la porte, là? Elle est nickel. Et si je fais là et là, elle est tordue. Là, tu vois que la porte est tordue, quand même. Regarde, regarde la Haruharu. Haruharu de la vérité, montre-nous les torsions de la texture. Tu vois là, pouf, 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 c'est tout tordu. Et c'est simple, hein, c'est juste parce qu'en fait, y a plusieurs axes dans une image 3D. Il y a le X, le Y, normalement, ça dépend, et le Z, qui est la profondeur. Et le problème de la profondeur, quand tu la rends sur une image plate, c'est qu'il faut un buffer dans lequel tu mets les informations de profondeur. Parce qu'évidemment, la profondeur, c'est un troisième axe. Donc il faut plus de, on va dire, plus de mémoire pour stocker les informations. Et si t'as pas de Z-buffer, et bah, ça fait des imperfections comme ça, où ils calculent mal les trajectoires des textures, et ça fait que les textures sont tordues. C'est très moche. C'est très très, très très léger, un pixel. Un pixel un peu plus qu'un pixel, quand même. La PS1, elle calcule pas le Z au moment de la rasterisation. Elle le calcule pas, en fait, je crois. Elle calcule pas le Z, c'est pour ça qu'il y a des choses qui passent devant, aussi. Elle le calcule, mais elle le calcule juste pour le rendre seul. Mais dès qu'il y a deux objets, ils existent pas l'un pour l'autre, c'est ça le problème. En fait. C'est un vrai souci, là. C'est quoi ce bruit, là? Je viens d'où? Je sais pas d'où je viens. Ah oui, d'accord, c'est à peine un pixel. Ah, des hunters. J'ai pas peur, moi. Par contre, j'ai pas peur, mais je suis un peu con. Parce que... Comment dire? Je vais y aller en mode, voilà. En mode bien équipé. J'ai utilisé beaucoup trop de balles. Beaucoup, beaucoup trop de balles. J'ai gâché une balle. Putain, c'est chier. Je vais reprendre mon gun parce que je pense qu'en fait ça c'était un peu le boss, je pense. Hein. C'est pas mal, hein, pour l'instant je m'amuse. J'ai pas sauvegardé, je sais pas si on peut. Je sais pas comment ça se passe quand on meurt, mais bref. On verra bien. Une herbe rouge, j'aurais dû garder une herbe verte. Parce que du coup, l'herbe rouge, on peut strictement rien en faire. Ah, j'ai débloqué la porte. Allure. Ici, on a un bureau, mais il sert à rien. Exactement. Je pense que c'est l'intro de la vidéo qui pose problème quand je dis Recallbox, Retropie. Et à la fin, j'ai dit... sont une aubaine, c'est incroyable, ce n'est pas mon avis. J'aurais pas dû dire ça, du coup.
Et les gens ont vraiment compris Recall Box, c'est de la merde. Alors que c'est pas du tout ce que je dis. Bref, je ne ferai plus ce genre de vidéo. Je suis plus d'humeur. Bon bah du coup je vais partir, alors je vais aller dans l'échelle là-bas. Je sais pas trop ce qu'ils veulent de moi. Je pense qu'il faut que je la récupère par en haut. J'ai rêvé où ils ont fait repop les hunters. Il y a un truc par terre, je sais pas ce que c'est. C'est un chien. Ignorons-le. Faisons comme s'il n'était pas là. J'aime pas les chiens dans ce jeu, ils sont trop chiants à buter. Et là je suis sur le toit ou quoi? What? Les projecteurs. Ça sert à rien d'aller là? Ah putain. Sérieux? Ça servait à rien d'aller là. Vraiment. On dirait. Pas trop. On va voir. On va voir. Pas d'ennemis. D'ailleurs, il y en avait, mais il n'y en a plus. Je comprends pas. Ah, faut peut-être que je reparte. Bah non, pourtant, j'ai pas eu de clé, j'ai rien eu spécial. J'ai juste le fusil à pompe. Chelou, ça. Des escaliers. Il y a des escaliers, ici. Ah, j'avais pas vu. C'est la parade des zombies. Ils sont bien organisés. Hein. Ils sont bien chorégraphiés. Chorégraphiés par Kamel Wally. La parade des zombies. C'est assez ridicule hein, quand même. Il y a des jeux qui masquent super bien. Hein. Les Crash Bandicoot et les Jumping Flash, on le voit pas trop. C'est, y a des jeux qui font un double, un double rendu du Z. C'est assez marrant ça. C'est des jeux qui, si c'est tordu devant... Ils le détordent en estimant les erreurs de la PlayStation, mais ça prend toujours au moins une frame, donc du coup tu vois le truc qui se retord, tu vois. Dès que ça se tord, ça se retord, pac 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 pac. Et il y a des jeux de voitures comme Ridge Racer Type 4, où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont rendu des textures quasiment toutes la même couleur. Donc en gros, s'ils rendent du bitume, ils vont rendre la couleur du bitume en gris, avec plein de nuances de gris pour faire un effet de relief, quoi. Par contre, les bandes de la route, c'était des objets 3D. Du coup, vu que les textures, c'est des textures qui tordent, mais pas les objets en 3D, le rendu 3D était correct. Du coup, ils faisaient des bandes en 3D sur la route, très 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 proche du sol, et ça marchait bien. Est en train de lire le com de Recallbox. T'as vu, j'ai l'impression que le com... Alors, je sais pas, je me suis pas senti offensé, mais j'ai l'impression qu'il est super vénère, le mec, pour ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. Ah, je sais pas si t'as vu la vidéo aussi, mais il faut voir la vidéo en plus, c'est mieux quand même. Je pense que tu t'en doutes. Mais du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est super vénère contre le FPGA, surtout. Et il s'imagine des trucs sur moi comme quoi je les aime pas, alors que c'est pas le cas. Enfin, je sais pas. J'ai jamais dit que Recallbox c'était de la merde dans ma vidéo. Et là, il est là à dire « Oui, on est des bénévoles !» Bah vous êtes des bénévoles, c'est bien, les gars, continuez, faites le bénévolat. C'est vraiment trop résistant, cette merde. Là, c'est quelqu'un qui a des avis assez tranchés en général. Mais surtout des avis sur moi, alors qu'il me connaît pas. Ça, c'est ça qui me... Moi, ça me met un peu hors de moi, perso. Mais... J'aime pas trop ça, en fait. J'aime pas les gens qui débarquent et qui me disent... oui, tu dis ça, alors c'est ça. Bah non, en fait. Déjà, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, après, c'est pas le premier à dire... C'est pas le premier à m'avoir prêté des paroles que j'ai pas forcément. J'ai tué les deux. En fait, j'avais plein de balles de fusil à pompe, c'est cool. Par contre, j'ai plus de vie. C'est un peu gênant.
Ah si, j'ai une corde, j'avais oublié, tiens la corde. Le gars de Recallbox, on dirait, t'as insulté ta famille sur... C'est ça. Et on est d'accord, ceux qui ont regardé la vidéo, on est d'accord que j'ai pas insulté qui que ce soit. J'ai dit Recallbox, machin, de Vatocera. J'ai dit, ce sont des outils incroyables pour apprendre aux jeunes générations ce qu'était le jeu vidéo, un truc comme ça, j'ai dit. Et après, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que Recallbox soit un bon outil d'apprentissage pour les nouvelles générations du jeu vidéo. Et je le maintiens, ça. Je maintiens que c'est pas avec Recallbox qu'on apprend comment étaient les jeux vidéo d'époque. Mais encore une fois, je vois pas en quoi ça le gêne. C'est juste incroyable. On a l'impression qu'il joue sa vie sur son truc, quoi. Je pense pas qu'il soit vénère, mais lui aussi doit avoir souvent des commentaires sur lesquels il tourne en boucle, se répète. D'accord. Donc il s'est dit, je vais aller sur cette vidéo et je vais mettre un commentaire pour que le mec soit saoulé et qu'il ait encore à répéter. En plus, j'ai fait un commentaire épinglé hein, sur cette vidéo. J'ai fait un commentaire épinglé dans lequel je dis, je n'ai jamais dit que l'émulation c'était mal. Ça tombe bien, t'en as une. Il a bougé ? Où ça ? Qui ? Que se passe-t-il, Samedi San ? Qui a bougé ? Oh, mais... Un Hunter. Ah, je vais mourir. Quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est pas de ta faute, ça, tu sais. Oh, putain. C'est dégueulasse de laisser faire pause pour ça. Je vois qu'il te propose une invitation, c'est un bon point de départ pour discuter de vive voix à ce sujet. Et j'ai pris l'invitation, hein, bien sûr. J'espère que j'ai pas raté une sauvegarde ou un truc, parce que, putain... C'est la tristesse si c'est le cas. J'espère qu'il n'y a pas de sauvegarde, parce que j'en ai pas trouvé. Pas l'écran titre. Ah. On a 4 continues. Je fasse attention. 3 continues maintenant. Ah puis ils me remettent là. Ok, d'accord. What? D'où il sort, lui? J'ai plus de balles. Et c'est sérieux le nombre de hunters qui m'ont mis sur la tronche, là? Ça va sinon? Vous pourrez vous calmer à l'avenir un peu ou pas du tout? Moi je suis pas d'accord. Hein. Moi je suis pas comme ça moi. Hein. Haruno t'as deux coups. Haruno t'as deux coups. Vous êtes mort mais le Nexus retient votre âme. C'est un peu le Dark Soul du Resident Evil. Hein. Voilà. Hein. Je veux pas dire. Je peux pas aller dans l'eau là? Je peux pas aller dans l'eau. Du coup, je peux aller nulle part en fait, c'est chelou. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, il m'a proposé une invitation, moi j'ai dit oui, y a pas de soucis. Y a aucun problème, alors là. Au contraire même. Mais vraiment, hein, il a besoin d'une mise à jour sur le FPGA parce que je pense qu'il ne sait. Il comprend pas ce qu'il. Je pense qu'il. A... Il s'est peut-être pas renseigné sur ce que c'est, je pense. Ou alors il s'est renseigné sur ce que c'est très vite, il a dit oulala! Oulala! Je sais pas, je vois pas l'intérêt qu'il a à défendre l'émulation logicielle, en fait. À ce point. Surtout de paniquer que quelqu'un qui fasse du YouTube puisse la défendre, en fait. Moi, je vendrai jamais Recallbox, en fait. Je sais pas pourquoi il a peur que j'aime le FPGA, on dirait qu'il a peur. Vraiment, hein. C'est pas juste « je vais te mettre sur le chemin de la vérité, le FPGA c'est de la merde, regarde, c'est... Ah mais à un moment, tu défends le FPGA par rapport à l'émulation logicielle, sache que le FPGA c'est de la merde !» Mais... Déjà non, bah, déjà c'est pas de la merde, et puis je défends pas du tout le FPGA par rapport à l'émulation logicielle, mais jamais en fait. Jusqu'avec le FPGA, joueur du grenier Edward n'aurait pas pu faire des vidéos avec de la connerie dedans. C'est ça le truc que je veux dire. Parce que le FPGA, ça ne laisse pas de place aux améliorations à la bite que les youtubeurs
nous servent à toutes les sauces en disant voilà, c'est ça, c'était Mission Impossible. Mission Impossible, j'en fais une fixette parce que j'ai envie que ça soit clair. J'ai pas envie que les gens se perdent dans d'autres jeux qui ont été massacrés par ces youtubeurs, mais il y en a d'autres. Et bah, Ed, il m'a déçu. Burnout 3, ciel noir. Ah, Burnout 3, c'est la version émulée aussi ? Burnout 3, ça se trouve, putain de merde. Tout ça n'est que du jeu vidéo, c'est un jeu où on a parfois l'impression que c'est des religions. C'est fou, ça. C'est dingue. Regarde le dernier commentaire, si t'as la patience de le lire, de Recallbox sur ma vidéo, mais... Là, effectivement, il t'a fait une réponse méga longue, le Fabrice de Recallbox. Je vois rien dans ta vidéo qui peut chambouler autant, surtout vis-à-vis de Recallbox. Il a utilisé PCSX2 et c'est un bug connu. Je comprends pas, voilà. Du coup, j'ai presque envie de faire une deuxième vidéo juste pour avoir des vues et des clics et des trucs comme ça, parce que j'ai envie, encore une fois, que les gens comprennent que, bordel de merde, un jeu PS2, ça se trouve... En plus, Burnout Takedown, il est pas du tout pas commun, quoi. Enfin, je veux dire... T'as les moyens de faire des vidéos, tu gagnes des vidéos pour... Tu gagnes ta vie avec YouTube. Me dis pas que t'as pas les moyens d'acheter un Burnout Takedown et une PS2. Il a capturé du vrai footage de Kingsfield sur PS1. C'est les mêmes prises, la PS2. Les mêmes putains de prises. Je comprends pas qu'il le fasse pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas et ça a vraiment tendance à me saouler. Je comprends pas. C'est ça... Et voilà. Pas mal. C'est pas mal. Je vais aller voir ça. Bah en fait, oui, c'est ça. C'est ce que Ophilippo s'y dit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Je comprends pas la moitié des commentaires qu'il a mis, parce que la moitié de ce qu'il a mis, c'est genre... c'est genre, je suis ton pote, mais je te vouvoie... C'est assez chelou. D'ailleurs, j'ai été déçu en voyant ta vidéo à rue. Ah, vas-y. Laquelle ? Resident Evil ou émulation ? Mais les deux avis m'intéressent, hein. Ça m'intéresse de savoir pourquoi t'as été déçu, juste. La vidéo de Recallbox derrière, c'est pas moi qui l'avais mis, hein, ça, dans ma vidéo. Je sais pas si c'est ça que tu vas me dire. C'est un grand L. Ah, une autre plante. Ça sera ma plante anti... ah non, raid. Je peux pas, du coup. Dommage. J'avais pas le choix là, on est d'accord. Hein. Je vais juste vérifier un truc. Ok. Jusqu'ici, je crois que j'ai pas le choix de ce que je fais. Ouais. Die, Vincent! Mais t'étais là, Dogstatic, pour le titre Resident Evil Gun Survivor, comment ils annoncent le titre, c'était terrible. Je m'attendais à prendre chacun de tes arguments et leur faire un German suplex en bonne et due forme, mais finalement, je vois pas comment on peut être contre ce que tu dis. Mais c'est ça, c'est même pas ça, je m'en fous. À la limite, tu vois, avoir raison ou avoir tort, on s'en branle. Mais c'est surtout que, non seulement, c'est... Je parle de mon parcours, tout le monde est passé à côté, personne n'a dit « Ah, Blim, c'est marrant !» Il y a deux personnes qui ont dit « Ah, Blim, c'est marrant !» Mais j'ai jamais eu autant de commentaires de ma vie, donc je sais pas, je sais exactement ce que les gens ont aimé et pas aimé, parce que je m'en souviens, ça me marque les gens qui ont aimé ce que j'ai fait. Et pour le coup, Blim, il y a eu que deux personnes qui m'ont fait la remarque, tous les autres, c'est des remarques sur « Ah, t'aimes pas l'émulation parce que t'es un connard d'élitiste de merde avec ton FPGA !» Mais putain, vous êtes passé à côté de toute la vidéo, quoi. C'est insupportable. Oui, je l'ai entendu, c'était formidable. Mais Blim, c'est marrant. Blim, c'était incroyable. And the Oscar goes to the monsieur qui rit. The monsieur who is laughing. Alors, du coup, cette salle, j'y suis enfermé, et apparemment, ça fait le plaisir du méchant du jeu. Il va y avoir un méchant au bout. Non. Si. Ah, c'est malin, tatatiti, malin. Bien, bien. Eh ben écoute, ça va être Gun. Oh, c'est un Gun, c'est un Gun. J'ai pas grand chose d'autre pour me battre.
donc ça va être ça. What the fuck? Il est parti dans une autre salle? Ou il y a un deuxième... Il y a un deuxième crococo? Quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Merci Starbuck pour ton re-rejoindre la chaîne YouTube. Vous êtes mignons les gars, je fais comment? Non mais tu veux la vraie incroyable Virtual Game Station qui réussit à t'émuler très bien la PS1 sur un Power PC à 300 MHz. Virtual Game Station? C'est quoi Virtual Game Station? Ta vidéo portait plus sur la surconsommation et le zapping, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Lui il en parle de la surconsommation et du zapping et il dit t'as fait ça toute ta jeunesse et maintenant tu dis aux gens de pas le faire. Mais non, j'ai pas fait... déjà j'avais pas de full set dans ma jeunesse puisque la console n'avait pas fini de sortir des jeux déjà. Donc j'en avais pas autant qu'aujourd'hui. Et surtout, aujourd'hui, enfin à l'époque, je passais pas mon temps à télécharger les jeux pour y jouer. J'ai picoré, oui, mais je voulais juste l'expérience des gens. Je voulais pas qu'on juge mon expérience, et je voulais pas qu'on juge, et j'ai jamais jugé le fait que les gens n'avaient pas le droit de le faire. Ou quoi, tu vois. Je te connaissais, c'est un émulateur PS1 vendu sur Mac en 99. Ah oui, vendu comme Blim, du coup. Ça faisait bizarre aux gens, ça. Merci beaucoup, en tout cas, Starbuck, pour l'abonnement à YouTube. Merci beaucoup. Pas avoir été assez... assez clair. Je pense qu'il a fini par me tuer. Hein. Ouais, il est mort. Non. Alors, il y a combien de crocodiles? Parce que j'ai pas capté en fait ce qui s'est passé. Ah, il y a deux crocodiles. Ah, je peux plus partir. Il me bloque la route. On n'avait pas des disques durs et des débits pour télécharger des full sets aussi facilement à l'époque. Mais en plus, c'est même pas ça. C'est que le mec me juge sur ce que je dis dans la vidéo alors que je le dis pas. Je dis pas aux gens, arrêtez de consommer des full sets à outrance. Je fais un débat sur... dites-moi comment vous consommez des full sets sur vos ODE et vos Everdrive. Parce que je vois à chaque fois que quelqu'un a un ODE ou un Everdrive, il met un full set dessus. Et je me demande si c'est intéressant de consommer comme ça en picorant. C'est tout. Et à aucun moment, je dis que c'est mal, en fait. C'est ça qui est marrant. Je me rappelle qu'à l'époque, on disait tout le temps qu'il fallait un PC 10 fois plus puissant. Oui, alors il y avait des sciences exactes qui disaient il faut qu'il y ait 10 fois plus de puissance pour émuler une console. C'est marrant d'ailleurs ça. Je me souviens encore de ces phrases-là. C'est comme le garder les ROM 24 heures, c'est pareil. À un moment, il parle de légalité, j'ai même pas lu. Parce que il a dit qu'il y a un truc qui était légal et un truc qui était illégal, alors que pour moi, tout ça c'est illégal. Hein. FPGA, émulation, si t'as pas les jeux, tu les télécharges, c'est illégal. Même si tu les as, c'est illégal. À tout moment. Ben, depuis 2000, je sais plus combien, télécharger un jeu en ROM est illégal, en ISO est illégal. Tout ça, c'est illégal. Puis finalement, un Pentium avec une 3DFX fait bien tourner Mario 64 en 98. Oui, alors ça, par contre, c'est intéressant aussi, parce qu'Ultra HLE, c'est pas de l'émulation standard. Ultra HLE, clairement, on parlait d'émulation qui hardcode beaucoup les consoles. En fait, Ultra HLE n'émule pas du tout les comportements de la 64 pour faire marcher Mario 64. Il analyse ce qui se passe quand Mario 64 est lancé sur 64, et il reproduit tout ce qui se passe pour que sur PC on puisse le faire. Mais c'est vraiment une autre méthode que de l'émulation de machine ou de l'émulation de jeu. C'est encore autre chose. Ultra HLE, il marchait si bien, ils avaient de la 64 en full speed à l'époque, parce que c'est pas vraiment. C'est un émulateur encore moins honnête que ceux d'avant, quoi. Que ceux d'après et ceux d'avant, en fait. Ultra HLE, il n'avait pas aussi utilisé le leak de doc aussi. Il y avait eu une histoire de dingue comme ça. Je crois qu'il utilise un truc par rapport à certaines instructions du MIPS. Mais de toute manière, c'est pas une émulation du tout accurate. Ultra HLE est pas du tout accurate. Et sur 64, aujourd'hui encore, on n'émule pas tout. Et ça, c'est incroyable. Sur 64, il y a encore des choses qui ne sont pas émulées. L'écran de Mario Kart 64 n'est toujours pas émulé. Donc, c'est là où la ville est contrôlée. Il a mal à la tête. Un peu comme Alice. Il me rappelle un peu Alice dans Resident Evil. Il se souvient plus de ce que c'est, mais apparemment, ça, il a travaillé à Umbrella, mais il s'en souvient pas. Il manque des morceaux du chien, normalement.
C'est un peu un monde ouvert ce jeu. Ça c'est l'entrée de quoi? De la salle d'arcade? Y'a pas une safe room quelque part? C'est fermé de l'autre côté. Ah, il y avait une red herbe ici. Putain, pour la voir, je l'avais pas vu. C'est fermé. Ok. Alors c'est fermé. Est-ce qu'on a une herbe verte, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai que des herbes bleues, rouges, rouges. C'est un peu ridicule. Comment je me remets de la vie si j'ai pas d'herbe verte, en fait? Tu veux la blague sur les save rooms dans ce jeu? Il y en a pas. C'est comme les villages dans FF13. J'ai fait la blague à Radius. Il avait commencé FF13 et à un moment il fait je comprends pas, depuis le début du jeu, j'ai toujours pas atteint une seule ville dans le jeu. Je sauvegarde pas. D'accord, t'as 4 continues. C'est vraiment un jeu d'arcade, mais enfin, je trouve qu'il y a une petite dimension aventure plus par rapport à des jeux d'arcade. Y'a rien à l'écran. Ah non, pas eux, putain. Je suis éclaté, salut tout le monde. Bonne nuit, Loïc. Très bonne soirée à toi et merci d'être passé. À la prochaine. Très bonne nuit. C'est quoi ça? C'est du Magnum Round? Putain, mais j'ai même pas de Magnum. Donnez-moi les armes qui correspondent, non? Donnez-moi des balles de fusil. J'ai vraiment l'impression d'être très vulnérable dans ce jeu, c'est chiant. T'as plusieurs chemins qui amènent à des scènes alternatives, tu peux unlock des armes pour les runs suivantes, etc. Ah d'accord. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de trucs alternatifs, moi. J'ai vraiment l'impression que les lieux sont jetables. Ah putain, mais comment tu veux que je vois, lui? Je joue en stéréo et tout? Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai les moyens d'avoir de la stéréo, moi? Dans ma hutte? Allez, twistez, là. Twistez, les enfants, twistez. Tire sur les épaules, moi. Je vise pas les épaules, hein, mais c'est là que ça va. On fait avec ce qu'on a. Et ils sont tous morts. Fabrice a fait une émission récemment sur le jeu vidéo, le droit, avec un invité qui a sorti un bouquin sur le sujet. Ouais, mais ça, c'est intéressant. Mais j'ai pas regardé le côté légal parce que ça reste une zone très grise, mais faudrait que je regarde justement son émission de débat de 3 heures dont il parle dans le commentaire. Après c'est constructif qu'il ait fait un commentaire, c'est juste la forme qui est un peu gênante. Le fond c'est bien, hein, mais la forme elle est bizarre en fait. Il me parle comme si j'étais son pote, mais derrière il juge certaines choses et il a pas compris la vidéo, enfin personne vraiment l'a compris, j'ai l'impression, cette vidéo. C'est un ascenseur. Ah, la musique continue alors que j'ai tué tout le monde. It's broken and won't move. Il y a des embranchements à des endroits clés. Ah, j'en ai pas trouvé. Peut-être que je suis pas arrivé loin, assez loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il va super vite l'ascenseur, non? Ah, peut-être que c'est la PS2 qui fait ça. Après, il aime pas Bateau Serra ni Retropie, pourtant c'est la même chose. Bah ah oui, c'est... En fait, c'est ça qui me fait rire. J'étais à deux doigts de faire un commentaire méchant. Enfin, à un moment, j'étais à deux doigts de dire « Mais pourquoi tu t'enflammes, mec? Pourquoi tu parles des bénévoles qui font des émulateurs, c'est super galère et tout, et que toi, derrière, t'es Recallbox? Bah, je veux dire, vous faites rien de compliqué, en fait. Vous faites une interface utilisateur, user-friendly, où vous mettez tous les émulateurs en un. C'est pas vous qui faites les émulateurs. Le travail bénévole de Recallbox, il est 1 milliard de fois plus petit que le travail de certains qui font en open source 1000 fois plus de taf. C'est bizarre que ça soit lui qui prenne la voix de ces gens-là, du coup. Et à la limite, dès le début. Les beignes.
Des bangs. Après, c'est bizarre qu'il aime pas Bato Sera et Atropaï, parce que clairement, Bato Sera, Atropaï et Recall Bob, je les mets dans le même sac. Vraiment dans le même sac. Mais c'est pas méchant. Je veux dire, je les mets très respectueusement dans le même sac. Hein. C'est juste que j'ai pas d'affect particulier pour ces outils. Donc, ils font bien ce qu'ils veulent, les gens. Hein. S'ils veulent utiliser Recall Box et tout, bordel. Ils veulent que tout le monde utilise Recall Box. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi, j'ai envie de dire? En plus, je crois que Bato Sera, il a un truc trop cool. C'est pas lui qui permet de lancer un jeu en random, ou je sais pas quoi. Ou c'est peut-être Recall Box. Au moins, on peut tuer les Hunters plus facilement que dans Resident Evil. Je sais plus lequel set tu peux lancer en random. Beaucoup plus d'options dans Bato Sera. Bah, c'est ce que j'avais entendu. Il y avait un gars qui utilisait Bato Sera et il s'expliquait, et l'explication c'est qu'il y a des milliers d'options en plus pour lancer des trucs. Je sais pas trop. Pour moi, ça m'attire vraiment pas. Hein. Comme je disais hein, dans une autre conversation sur Facebook, je disais l'émulation, moi j'utilise que l'officiel. Quasiment. Il y a un enfant. Hello, can you hear me? Who are you? What are you doing? Answer me! Oh, you answer me to shut the fuck up? C'est quoi, c'est le bureau du patron d'Umbrella ou quoi, ce truc-là? Carte d'accès ici. What the fuck? Ah, hello. How do you do, darling? Je reconnais lui. Mister X a un plan pour détruire la Terre. Action Man, le plus grand de tous les héros. Ah oui, il est là, lui. On sait pas d'où il sort, mais ils l'ont mis là. Jovovich. Ah non, pas un liqueur, j'ai pas le temps. Ah. J'ai peut-être le temps, finalement. Non, on peut pas, là. Bah, on va se casser, hein. Ça n'a aucun sens qu'il soit là, mais allez. Par contre, il passe pas les portes, apparemment. Donc ça va. Il fallait faire quelque chose dans sa salle, apparemment. Je sais pas quoi. C'est Dr. X. Ah d'accord, il a balancé la carte ici. Je sais pas où il est, il doit être derrière moi. Où es-tu? Ah, il est là. La carte, s'il te plaît. Je suis la carte, je suis là. There is a notebook computer. It's been burned. Ok. It appears to be a picture of a factory, but it's burned and hard to view. Ah, c'est bien ça, c'est le moment de lire les diarrhées de Vincent. La diarrhée de Vincent. La nuit dernière, un groupe de cobayes confinés dans la prison s'est échappé. J'ai pris deux armes et déclenché une émeute. Les cobayes qui étaient responsables d'un incident ont tous été tués. Je les ai tous tués. Mais je vais attirer des ennuis à Umbrella. My plan of returning to headquarters and collecting my reward for my great achievement here in this city. Ok, d'accord. Il n'aura pas sa promotion parce qu'il a fait le con en tuant des cobayes. C'est comme le pyramide Head qui nous ressort tout le temps sans raison, alors qu'ils avaient une raison scénaristique d'exister dans un seul jeu. Je comprends pas bien d'où viennent les guéguerres dans le rétro. On vit le meilleur moment pour ça, juste à choisir ce que l'on préfère dans toutes les solutions dispo. Bah, je sais pas. En plus, je sais pas pourquoi il me mêle à ça, en fait. Pourquoi est-ce que les gens, en fait, systématiquement, quand tu mets un commentaire sur une vidéo, systématiquement, tu te dis le vidéaste est un connard. C'est incroyable, hein, cette option par défaut. Ou quand quelqu'un met un commentaire sous une vidéo, ah, lui, il a un mauvais fond. C'est sûr. C'est sûr et certain. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Star is locked. Je peux ici, ouais. Tu peux prendre la porte, merci. Je pense qu'en fait, il faut pas trop tuer les ennemis dans ce jeu. Ah
turn! C'est trop fort! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser tous les volumes de Triggers à 50%, car c'est trop fort! Et bonjour Seima, bienvenue sur le stream. C'est pas Seima? C'est Seima. Sachant qu'en plus, c'est mon écran de contrôle aujourd'hui. Il a pas l'air d'être là, Mister X. Dégage. Ah non, dégage! Et bonsoir. T'as fini Notopia alors du coup ou pas? J'ai pas regardé, je suis parti avant la fin, il a fallu que je parte précipitamment. Ah demain j'ai le colis. Ah oh, demain j'ai le colis magique de YouTube là. Je vais pouvoir enfin refaire des vidéos. Et je pense que demain il y a enfin mes colis mondial relais qui vont rebouger, parce que c'est vrai que le week-end c'est déprimant les colis mondial relais. Du coup Mister X il est là mais il passe pas les portes, alors c'est très chelou. Ils ont cassé la moitié du personnage quoi. Je comprends pas l'intérêt du personnage s'il passe pas les portes, Mister X. Autant il passe les portes, mais très lentement. Peut-être qu'il est toujours dans le couloir à chercher. Peut-être qu'il est en train de demander au liqueur. Tu l'as vu passer? Il est passé par où, Vincent? Je m'appelle Vincent, je suis un gros connard dans ce jeu. Au fait. Les affaires reprennent, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Et j'ai préparé le colis pour les PlayStation Comics. Du coup, je vais recevoir les PlayStation Comics dans 8 jours. Ah. What? Je t'ai demandé si t'avais fini It's me, your mother. My mother. Vincent, please. Listen to your mother. I want you to leave Umbrella. I want you to stop performing those terrible crimes and just come back home. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. What is the tape you are listening to? I don't know. I was only listening to it because I'm so bored. My brother told me to. Il y a du child molesting. Oh, let me go. Your brother. Ouh. Lily, run, go. Lot. Put that down. I won't harm you. I promise. Oui, Troy McClure. En mode Troy McClure. Liar. You'll kill me if I drop it. Oui. Stupid. Now stay back, don't come any closer. Il est là. I know you think that I'm a murderer, but you're wrong. I would never do anything like that. Moi, ce que j'aime, c'est les corrections qui tournent mal. Oui, je voulais juste te demander si Notopia t'avait fini, du coup. C'est quoi ton prochain jeu, du coup? On dirait qu'ils l'ont mis là en mode « Bonjour, je suis Mister X ». Vous m'avez sans doute vu dans des films tels que « À travers la porte »,« Le retour de la résidence du mal » ou « Le sandwich de Gilles ». Il est trop beau, ce Tails, dans le coin. Oui. Mais tout le stream a été refait. Enfin, tout le stream a été refait. Et je vais te montrer, du coup, Seima, puisque tu viens d'arriver. Maintenant, je peux m'amuser, tu vois, à me mettre où je veux. Je peux me déplacer puisque je suis en fenêtre, je suis plus en fond vert, et du coup c'est plus joli. Et ça me permet de me mettre là, et je peux aussi déplacer le chat. Ouh, la classe. J'ai vraiment hâte d'utiliser ça. C'est pour ça que je pense que le prochain stream, ça sera un stream sur Mister FPGA, parce que ça sera vraiment fun. Voilà, c'est tout. Et du coup tu me dis pas sur de quoi, qu'est-ce que tu vas faire après? Alors j'ai une nouvelle carte ici, non? Vincent Tapping Report. Record. Wiretapping record of Vincent. We can no longer tolerate what Commander Vincent has been doing to deprive him of his position. We must obtain conclusive evidence of his evil doings and report it to the headquarters. Jessekid ou FF7? Non, FF7 non. Jessekid, ouais. FF7.
We realize that it's very intelligent and cautious. Is very intelligent and cautious as a last resort, but it was very dangerous for us. Was to wiretap his phone conversation. Okay. Finally, we obtained evidence that was potent enough to deprive him of his position. Les sauts à la ligne sont insupportables. Ils sont pas bons en fait. Et c'est qui ça se boucle vite. FF7, t'as vraiment envie de faire FF7 en stream? T'avais pas dit des jeux un peu obscurs que je connaissais pas? C'était quoi déjà? Il y avait un jeu que j'avais dit, ah bah c'est, je suis hypé. J'adore cette 2D, cette 3D low poly, ça me plaît vraiment. J'ai déjà dit, mais... Mais ça, on l'a déjà dit. Ah oui, il y avait un I, le bah, Is. Je serais plus curieux de voir Is que de voir FF7, c'est sûr. FF7, tu le ferais sur quoi, du coup? Sur la PlayStation Classics? Ou sur Steam? Les musiques sont très cool, hein, c'est triste. Je trouve ça très dommage que les musiques soient si bien. Il y a un gros trou. Quelque chose d'incroyablement puissant a dû créer ça. Bah, allons-y. On n'y va pas. D'accord. Alors n'y allons pas. Là il y a une plante mais rouge encore. Je peux pas l'utiliser. Remaster Switch. Ah. Ah, il y a une salle d'ascenseur là. Ascenseur. The elevator has not reached this floor yet. Oh non. Oh non. Pas Mister X. Forcément Mister X qui avait créé ce truc. Bon, je m'en fous, hein, je peux gagner du temps, mais... Il n'est pas arrivé encore. Il y a des baskets qui font floc, floc, floc. Je vois pas donner un coup dans la... Je vois pas donner un coup dans le vide, mais ça doit être triste. Ah, il est bloqué? Non. Je pensais que je l'avais Keblo, ça aurait été marrant. C'est bon l'ascenseur, il arrive au bout d'un moment? Oh là là, sérieux quoi? C'est bon. Ta-ta-ta! Ça vous fait quel effet alors de me voir dans mon environnement naturel? Sans fond vert. Le fond vert est parti. C'est pas que de la flemme, hein. Mais je pense que je mettrai le fond vert pour le prochain stream et vous verrez, c'est rigolo. Parce que j'ai fait un fond à ma bulle. À ma petite bulle dans laquelle je me déplace. C'est assez rigolo à faire. Je sais pas où je suis, là. Il arrive quand, l'ascenseur? On est sûr qu'il va arriver? Quelqu'un l'a appelé, au moins? Je reconnais le meuble beige derrière. Machine à laver? Ah, le meuble beige de la collecte, ouais. C'est une grosse partie de ma collecte qui est dans ce meuble. J'ai l'impression que ça l'ascenseur n'a pas été appelé, si. The elevator has not reached this floor yet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je reste? Je comprends pas. C'est beaucoup trop long, en fait. Ouais, faut que je le tue. Ah! Parce que Mister X n'est pas invincible. Hein. Enfin, il tombe dans un autre. Il est invincible dans le sens où il a l'énergie infinie, mais... Très bien, ça. Un coup. C'était rentable. Je pense qu'en fait, il faut que je l'affaiblisse suffisamment pour qu'il tombe. Pouic, pouic, pouic. Que je fais. Jusque sans Guncon. Ça lui a fait quoi?
Il est tombé. Ah, il a une item. Shotgun bullet. Merci, Mr. X. Si j'avais su, je t'aurais buté avant. On va recharger le fusil à pompe, alors. De la manière dont on sait qu'on peut le faire. C'est ça qu'il fallait faire. La vitesse à laquelle il va, l'ascenseur, ça fait peur. Quel hasard ! L'ascenseur est là ! Ils ont vraiment pensé à tous les mecs qui font des ascenseurs. Hein. Ils ont pensé à un détecteur de mort de Monsieur X dans la salle. Ils ont été balèzes quand même. Ça va se fermer derrière moi. J'ai rien pour me soigner. Hein. J'ai que des herbes rouges, bleues. Je comprends pas en fait. Quelle tristitude. Rustarbuck. Oui, un liqueur. Ils ont mis des liqueurs dans ce jeu-là. Une liqueur aux fruits rouges. Oh non! Sérieux? Ils me remettent là. Je m'en fous, je passe, mec. Bon, bah, on va rush. Putain, c'est... Je pense que, en fait, c'est vachement mieux de rusher dans ce jeu que... Les liqueurs, faut pas essayer de les tuer, quoi. Ils sont trop balèzes. Hello! L'ascenseur! Ah, je crois que j'ai raté des items. Il y avait peut-être des plantes là-bas, non ? Je sais plus, mais je pense qu'on va rusher. On va rusher Ferrero. On va faire Ferrero Rocher du coup. Ça a marché mieux, non ? Je sais pas. J'aurais dit que ça marchait mieux, mais. Hello ! Can you hear me ? J'adore comment ils ont mixé les bruits de pas au même volume que la voix. Plonk, 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 plonk. Le mec il court en mode. Bref, c'est pas si compliqué, le rendu est top. Tu as raison, Fresh One. Le Mister, c'est quand même l'avenir. Donc j'ai revu la vidéo, vu les commentaires, le commentaire en question, et pour moi, il n'y a même pas à faire débat à la vidéo, en gros. Tu exprimes ton vécu et ta vision, et si tu... Ce que je comprends pas, c'est que j'exprime mon vécu et ma vision, et je comprends pas à quel moment je dis « Faites pas ça !» Vraiment, hein. À quel moment je dis « Moi, j'ai fait ça, par contre, vous, bah, le faites pas. » Les gens font ce qu'ils veulent, merde. Les gens achètent. Une recall box est censée être gratuite, donc je comprends pas trop la logique de... ça nous coûte cher, machin. Après, il me dit aussi, faudrait plutôt faire un débat sur les gens qui profitent des trucs gratuits, machin, et qui les font payer ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre, ce débat-là. Ça m'intéresse pas, moi. J'ai encore ce que je veux, putain. Effectivement, il y a un débat à faire, mais j'ai pas envie de le faire. Ce qui me gêne le plus, c'est de montrer des jeux qui sont pas émulés correctement, tu sais. Y a pas à se mettre la rate au courbouillon, ça c'est une expression moderne. Expression. Oui, alors Locked, mais regarde, hop. Magique. Je vais me mettre le pistolet. Mon équipement. Ah non, c'est pas là en fait. Ok, d'accord. Donc là, je prends le handgun C. Et je vais rush, encore une fois. Car je le peux, donc je le fais. Par contre, c'est un hunter qui est là. Ah non, c'est un liqueur encore, parce qu'ils sont chiens que leur liqueur, ils en mettent partout. Pas besoin d'émulation pour ne pas montrer les jeux correctement.
pas besoin d'émulation pour ne pas montrer les jeux correctement. Ça aide. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là, comment on peut montrer... It's me. Ah putain, cette séquence, elle est encore à faire, c'est vrai. Comment on peut montrer... Ah, d'accord, je viens de comprendre. Putain. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps, mais j'ai compris ça. J'ai la paupière qui bat. C'est-à-dire que je suis hautement fatigué en vrai. C'est-à-dire que je fais semblant de pas être fatigué, mais en vrai je suis fatigué. Je fais crari comme on dit. Cette tête qu'il a, putain, on dirait tellement un Goomba dans Mario le film. On dirait un Goomba de Mario le film en fait, dans ce jeu. Vous avez déjà vu les Goombas réalistes dans Mario 2 film? Super Mario Bros. The Movie. C'est tellement ça. Ah oui, il se sent pas très bien. Et hop, shotgun. Mais il était bien. Tu sais que je l'ai en laserdisc, hein, Mario le film. Et je l'ai peut-être en Blu-ray, je crois. Je crois que je l'ai en Blu-ray US, avec la piste FR. C'est un morceau d'histoire. J'ai vu Yoshi, j'ai pris la fuite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Allez. Arrêtez de dire du mal. Arrêtez de triquiter, s'il vous plaît. Hein. Là, vous êtes en train de triquiter. Le film Mario, le seul bon point, c'est les décors cyberpunk est totalement hors sujet. Ils sont magnifiques, les décors de la ville. La tête me tourne. Oh non, je tombe et je fais caca des cartouches de fusil. Mais c'est ça. C'est Mr. X, hein, en même temps. Mr. X, dans ce jeu, il casse un peu le truc, quoi. Il casse le mythe, un peu. Tacadagadin, tadam, 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 tacadagadin, tadam, 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 tacadagadin. Je sais plus comment je suis mort tout à l'heure, il y avait des liqueurs et puis j'ai essayé de les tuer et c'était pas une bonne idée. J'aimerais bien sauvegarder là. Tu vois, si t'es sur Recall Box, et bah je pourrais appuyer sur un bouton. Mais je peux pas! Parce qu'il n'y a pas de save stat sur la PS2. Oh là, quel gâchis! Quel gâchis je viens de faire, putain! Mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, le coup bête quoi. La bonne cartouche dans le vent, quoi. C'est chiant, ça. Ils me saoulent, les chiens. Ah, une voiture. On peut partir en voiture ou il y a Mr. X qui va encore venir? Ah, un lance-grenade. Ça, c'est bien. On va l'essayer sur le chien qui me court dessus, là. Parce que je les aime pas, les chiens. Non, c'est pas ça. Grenade gun. Heavy machine gun. Heavy machine gun. Il est ouf. Canard. Ouais, ok, d'accord. Non, mais sérieux. Ok, c'est super bien, lance-grenade. Perso, je préfère Metro 2033 et son univers que Resident Evil. Resident Evil lequel? J'ai refait 4 fois le donjon et le boss de fin de Notopia, alors que j'aurais pu faire la vilaine safe state devant l'entrée du boss. Mais c'était hors de question. Oui. Bah, si tout le monde faisait comme toi. Tout à l'heure, il y a Ozaki qui jouait à Le Roi Lion. Et voilà, il y avait du safe state, quoi. C'est un peu triste. J'ai rien contre Ozaki, hein, mais... Ça aussi, hein, ça fait pas les vraies difficultés. Hein. Ah non, il avait joué à... C'était le niveau des girafes qu'il avait fait en safe state.
Ça m'a beaucoup déçu de lui. Qu'est-ce qu'il fait, le chien, là? Il est buggé? Le chien! Bon, d'accord, on va attendre qu'il passe ici. Le niveau qui m'a traumatisé était enfant. Moi, il m'a traumatisé. Le niveau des girafes dans Le Roi Lion, j'ai pas compris, en fait. J'ai compris après, mais je comprends pas. Enfin, c'était vraiment débile, quoi. L'histoire de location des jeux, là, c'est vraiment de la pure crétinerie. Tu fais le tour, non? Ah, tu fais le tour, saloperie! Mais quel connard, ce chien! Allez, va te faire foutre, je te tue pas. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, là. Le Roi Lion aussi, la difficulté faite pour monter les locations. Ouais, ouais. En fait, surtout pour augmenter l'achat du jeu. Pour que les gens le louent pas et le finissent pas en le louant. Les enfants! Les enfants, ils vont mourir tout seuls, j'aurais même pas à les tuer. Hey! No! Don't go! Quoi, ça me rappelle? Ça me rappelle Enrique qui se barre. Enrico? Is that voice? Enrico? C'est le gameplay de Simba adulte qui m'a rendu fou à l'époque. Bah, moi, je suis jamais arrivé du coup. J'ai vraiment été bloqué à la girafe. Et peut-être le niveau d'après? Ça, je saurais même pas dire. Je suis même pas sûr d'être arrivé au niveau. Putain, de ta race! Is that voice Enrico? J'ai trouvé le nom du projet de carte mère SNES à faire soi-même, c'est Necessity. C'est plutôt cool, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une araignée? J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est une araignée, oui, elle est buggée. Elle était buggée. Une araignée buggée. C'est des araignées qui sont buggées actuellement. Voyez-vous aussi qu'elles sont buggées? Ah, les araignées étaient buggées. Necessity, ça coûte combien du coup, Loïc? Ça m'intéresse, en vrai. Je pense qu'on va se renseigner là-dessus à la fin. Si je remeurs trop là, je pense qu'on va... On va regarder comment ça marche, Necessity, parce que c'est vachement intéressant comme projet. Je sais pas si c'est cher. Mais je crois que ça doit être cher. J'arrive pas à voir où je peux aller. Ah, il y a une échelle, je l'avais pas vu. Donc si j'ai bien compris, les gamins, ils passent sans souci, mais le gars, Vincent, il doit se taper tous les monstres. Bah non, en fait, les araignées, elles ont dit « Ah, c'est des enfants !» Le Hunter, il a dit « Ah, vous passez, mais vous êtes sages, hein !» Bien sûr que c'est comme ça que ça se passe. Oh, putain, c'est joli ici, on dirait Kingsfield, on dirait un jeu vidéo. Oh là là, Resident Evil, c'est pas un jeu vidéo, peut-être. Oh là là, Haruno Taku, ça a changé, hein. Haruno Taku, il dit du mal des jeux vidéo, quoi. 37 euros. 37 euros? C'est tout? Ah, out of stock. Dommage. Mais c'est super satisfaisant à voir en train d'être construit. Mais c'est tellement pas cher! Ah, c'est juste le PCB qui est à 37 euros. Les composants sont pas à 37. Le PCB doit être à 37, ça m'étonne moins déjà. Parce que 37 euros pour tout. Déjà pour une prostituée, c'est pas cher. Alors pour. Pour un PCB complet, c'est donné. Green herb combine with red herb et blue herb. On peut faire ça. Je crois qu'on peut faire ça. Hein. On peut faire genre blue herb combine with. Ah, oui, ça fait ça. C'est ça. Arus était mieux avant. Ah, mais c'est sûr. Combien? Je l'ai pas, ça y va le combien, malheureusement. Je fais Radius, ça. Je l'ai pas, moi. Faut que je le mette, mais sur un combien que je connais. Parce que je connais pas la ref. Combien? Et combien, n'est-ce pas? Venez casser la truc, non?
Moi, je peux pas vous tuer, là. Si je peux vous tuer. Vous pouvez pas venir? Bon, bah on va rentrer dans la maison. Ça y est, le jeu se passe dans un manoir, alors, après? C'est intéressant, ça. Je récupère chaque... Mais c'est ça qui... Enfin non, c'est pas relou, justement. C'est ce qui me plaît, moi. De repiquer les trucs. Bref, c'est pas Léon. C'est peut-être Léon. Ouais. Bah. Non, c'est ça qui est intéressant, ces images, je trouve, moi. C'est ça qui est intéressant. T'as le PCB d'origine, et dessus, tu mets les composants. C'est comme un projet de techno, mais tu fais une NES. Franchement, si j'étais prof de techno, ils auraient que ça, les gamins. Ouais, y a pas un bug d'image? Il y a eu un bug d'image, non? Il y a eu une saute ou un truc? Je sais pas ce qui s'est passé, exactement. Je regardais pas, j'étais en train de réfléchir à autre chose. It's an ordinary kitchen. There is nothing suspicious about it. Ok. Du coup, là on a affaire à une maison très résidente et vilesque. Là on est presque dans l'horreur. Franchement, bonne surprise ce jeu, hein. Il est loin d'être si mauvais que ça. Hein. Je trouve que les décors sont variés, les situations sont cool. Je pense qu'au light gun il doit être fun. Mais pas au light gun, il est nul, c'est sûr. T'imagines, t'es dans un cours de techno. Ah, ils ont mis une plante verte. Ils ont mis une plante verte et une plante verte. C'est trop malin. Ah non, c'est la cité de la peur. La cité de la peur, il dit combien? Pour quelle raison? Ah, c'est raid. Putain, ils sont chiants de mettre des raid herbes. Vous voulez pas mettre des green herbes plutôt? Ouais, je reste persuadé que si t'as un light gun, le jeu est quand même vachement plus intéressant. Mais ça reste un jeu de seconde zone, oui. D'accord. Mais c'est pas la daube que tout le monde dit. Hein. Pour moi, pour qu'un jeu soit une daube, il faut y aller. Hein. Beaucoup plus que ça, quoi. Oh bien! Allez, hein, cette porte là. Je pense que c'est la première porte qu'il voulait que je prenne. Hein, le jeu. Ah, les portes de Resident Evil, ça fait bizarre de les voir dans un autre jeu. Il y a une console de jeu. C'est les enfants, ça, ils se sont planqués là. C'est quoi cette console de jeu? C'est une console ou c'est un magnétoscope? Ah. Lot's Diary. Ah bah ça tombe bien. Hein. J'ai vu des prisonniers dans la salle d'arcade aujourd'hui. Ils avaient l'air fatigués. Une des filles était même slave red, esclave. Certains des garçons me regardaient. Ils avaient l'air de porter des guenilles et sentaient le pourri. Comme papa... Ah, c'est la maison de chez moi! C'est mon fils, Lot! Comme mon père et commandant Vincent me l'a dit, ils sont très différents de notre famille Umbrella. Ah, c'est chelou. Sur ce, je file ici pour ce soir. Tu files ici pour ce soir. Bonne soirée, Tom. Merci d'être passé, en tout cas. Et merci pour me confirmer que ce commentaire est bizarre. Bonne soirée, bonne nuit. À plus, Tom. Merci d'être passé. Bonne nuit, bonne soirée, merci encore. Cool, cool. J'ai entendu le commandant Vincent qui a tué des gens qui essayaient d'enfuir. De s'enfuir. Ah, un commentaire sur ma vidéo émulation de Recallbox qui est drôle. Bon, c'est pas un drama. De toute façon, le drama, c'est la vidéo, elle est sortie, c'est fini. Hein. C'est fini. Je veux dire, je vais pas en faire un drama qui va durer parce que j'aime pas les dramas. Même si ça rapporte du clic. De toute façon, oh putain, c'est un poster Street Fighter. Various toys are piled up here. Vous avez vu? Il y a un poster Street Fighter avec Camille. C'est un commentaire sur ma vidéo de l'émulation. Recallbox a fait un commentaire et... J'ai l'impression que c'est pas qu'il soit hors sujet, mais j'ai l'impression qu'il est bizarre, en fait. Il est entre la copinerie et l'agressivité inutile, sur le FPGA notamment. Il est 100% contre le FPGA et... Et ça transpire dans son commentaire. Where's your brother Lot?
Non, en fait... You have to save my brother. Non, mais... He said he's going to the factory by the ropeway. C'est chelou parce que... Dans les diaries de... Les diaries... Pas les diaries... Les diaries de Lot, il dit papa et commandant. Alors, est-ce que c'est parce que Umbrella est une grande famille? Oui, je sais, la factory, il y a plein de monstres, apparemment. Il m'a dit de pas y aller, justement. What? What? Please! We've already lost Mom and Dad! You've got to help my brother! Please! I promise. Don't cry anymore, Lily. Lily, take another walk out of your bedroom. But that before. That's not who I am now. I will save these two kids. I swear it. Ça, c'est sa pensée. Lily, you hide here. I'll go find your brother and then come back for you. On me la fait pas, moi. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Je vais aller chercher son frère, mais je croyais vraiment que son frère, c'était mon fils. Ça aurait été une sacrée manière de l'apprendre, pour le coup. J'imagine que la grille va être pétée maintenant. Puisqu'il est parti. Voilà. Classique. Classique, 16/9, panoramique. Résultat parfait. C'est la pub de quoi ça déjà? C'est pas le développement de photos ou Kodak, un truc comme ça? Classique, 16/9, panoramique. Résultat parfait. Oui, c'est une télé? C'est Philips? Putain, d'où elle vient cette phrase? C'est déjà l'usine? On va te faire foutre. What? Qu'est-ce que fait la caméra? Bonjour la caméra! Bon, ça me saoule. On m'avait tous gavé. The rope way is not working. The rope way? The fuck are you talking about? What the fuck are you? Chut. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était un liqueur apparemment. Ah, green herb. Alors, si je suis assez rapide, je ne meurs pas. Ah, j'ai ça aussi. J'utiliserai plus un... Oh putain, mais j'ai ça aussi. Et green herb combiné avec la red. Je pense que par sécurité... Ah. Ah. Je dis ça, mais tu le penses pas. Allez, laisse-moi passer. Lélé. Waouh. C'est l'usine du coup? Ça y est, je suis dans l'usine là. Ah non, c'est le rôle. Ah, ça c'est le. D'accord. C'est le ropeway. Marche pas. Skip. Comment on peut le refaire marcher? Ok, c'est une grande salle vide. C'est quoi ça? Princess. Princess Media. Ici, on a un numéro de téléphone. Fossile exhibition. Expérience, je sais qu'il n'y a pas de bouton d'action. Donc là, je pensais que ça ferait un truc. Ça a l'air de rien faire. Ah, it appears to be control panel of the ropeway. You've turned the power on.
J'ai eu peur. J'ai sursauté au premier degré. J'ai eu vraiment peur. Au secours. Hein ? Pourquoi les ennemis disparaissent d'un écran à l'autre ? Je comprends pas. Je les ai pas tués, les ennemis qui sont là, normalement. Ils doivent être là. Non ? Je comprends rien. Ok, les chiens sont là, mais ça c'est pas un souci. Ah si, le Hunter est toujours là. Le Hunter x Hunter est toujours là. Rentre ! Mais rentre ! What ? Mais il est invincible le truc. J'ai lu le commentaire de Recallbox, je lis ta réponse maintenant. Bon courage. Elle est encore plus longue puisque... Enfin, t'es pas obligé de lire ce que je cite, mais bon. Ce que je comprends pas, c'est... Est-ce qu'il a vraiment regardé ma vidéo ? Et surtout, est-ce qu'il a synthétisé la vidéo correctement ? Parce que je sais pas. J'ai l'impression que ma vidéo est pas claire, mais pourtant... Je suis sûr de ce que j'ai dit dedans. J'aimerais bien un bouton pour sélectionner plus vite mes armes. Et là, je pense que vu qu'il y a deux, ça peut être rentable de faire un... Sachant qu'il y a deux hunters, ça peut être rentable de faire ça. Non mais c'est une blague. Ce hunter, il est en Kevlar, quoi. Ce hunter, il est invincible, quoi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment ce hunter peut me tuer? Sérieux, quoi. Dernier crédit. Ça tombe bien. Il est bientôt 23h. C'est chaud. Ok, d'accord. Je recommence là. C'est déjà ça. Je pense que je vais fuir. De toute façon, le jeu veut qu'on fuit. Hein. C'est souvent. J'aime souvent ce que le jeu veut. Tu peux te barrer, Vincent. Putain, t'es vraiment immaniable. T'es vraiment un connard de mec immaniable, quand même. Non seulement t'es un meurtrier et même ta maman t'aime pas. Bon, il aime pas qu'on lui dise ça. Il devient subitement immaniable. Il dit ça. Ah ouais, d'accord, ils ont vraiment scripté ça, quoi. Ils ont scripté tout, quoi. Allez, avance! Putain, comme c'est immaniable! Au secours, quoi! On comprend rien à ce qu'on fait avec le stick. Le jeu, il est immaniable. Au secours. Ah bah oui, tiens, monsieur X. Bonsoir. Je vais te mettre là. Après, je vais faire ça. Je vais me barrer. Est-ce que j'ai des... Qu'est-ce que j'avais, déjà? J'ai pas pris la green herb ou j'en avais pas? C'est plus ce que j'avais. Mixed herb. Ouais. On est parti. Notre espacing, on s'en fout. Comme si on respectait les panneaux notre espacing dans Resident Evil. Ce serait une première. Ils avaient besoin de charger deux fois plus de décors que prévu. Il a l'air passif-agressif sur des trucs que je comprends pas, le mec de Recallbox, en fait. C'est ça, c'est Ima, que je comprends pas. J'ai l'impression que le FPGA est un vrai problème pour lui, alors que pour moi, c'est une grosse solution pour l'avenir. Mais... Non mais le FPGA, ça marche pas. Ça me tue aussi. Ça m'a fait rire, perso. Ça me fait rire parce que je me dis, effectivement, il a peut-être pas intérêt à ce que les gens se mettent au FPGA, alors il dit que c'est pas si bien. Par contre, à un moment, il dit que ça marche... Putain, mais c'est quoi tous ces Mister X ? T'es toujours là, donc statique ? Parce que je pense que là, il y a overdose de Mister X, quand même. C'est chiant, ça. Il est bien chiant à passer, hein, Mister X, quand même.
Le pont suspendu qui va s'effondrer. Ah non. Oh non. Oh non. Oh lolo. Oh lolo. Je peux passer là ? Je peux passer sur un malentendu ? Oui. Sur un malentendu seulement. You unlock the door. Très bien. Il y avait combien de Mister X ? J'ai même pas compté. 5 ? C'était n'importe quoi. C'est infaisable. Juste quand. Quand même pour un noob comme moi, le FPGA c'est quand même pas user friendly car on peut quand même. Une fois que c'est installé le Mister FPGA, juste ça marche quoi. C'est juste un menu aussi compliqué que Recallbox. Hein. Une fois que c'est installé, c'est pareil. Hein. Pour moi, Recallbox c'est compliqué à installer. Non, c'est jamais trop user friendly. Je trouve pas que ça soit un avis très. Qui fera forcément avancer le débat. Mais par contre, encore une fois, hein, la Recallbox, quand je l'ai installée sur ma télé Sonic, que vous voyez ici, l'eau, j'ai autant galéré qu'à installer le Mister FPGA. Hein, ça a été aussi relou. Je trouvais pas ça simple, en tout cas. Et surtout, une fois que c'est installé, encore une fois, hein, tu le démarres. Si je démarre mon Mister FPGA, vous voyez tous à l'écran, il est très simple, mon Mister FPGA. Umbrella. Ils sont énervés, les chiens. Donc là, on a une grande maison machin, d'accord. Est-ce qu'on n'a pas des petites herbes qui traînent ? Ça serait pas mal. Y a rien, y a pas d'item quoi. Sérieux. Les mecs, ils ont pas peuplé quoi. Ils sont pas dit, on va peut-être mettre des petites herbes ici pour faciliter le truc. Je suis en normal, hein. Je suis pas en hard et pourtant, c'est la Resident Evil où je galère le plus pour l'instant. Les chiens, par contre, ils sont inoffensifs tant que tu bouges, j'ai l'impression. Vu que c'est un jeu de shoot, t'es censé quand même être un minimum immobile pour les affronter. C'est joli, hein, quand même, la 3D là, du jeu. Je trouve pas ça moche. Voilà, une petite claque gratuite. Après tout. On a l'habitude. Je vais complètement au pif. Mais j'avance. J'avance doucement. Pas doucement d'ailleurs. Beaucoup trop vite. Ouais! Lot? C'est la factory. Father! Ah, je suis fine en vie. Ah, j'étais sûr de m'être fait tellement boucaquer de coups de Hunter que je serais presque mort, mais... Du bazooka! Des grenades round. Des grenades round. Alors... Grenade gun? Ah mais le grenade gun, je l'avais pas utilisé jusqu'ici. Collapsped. C'est Collapsped. Je ne peux pas l'escalader. Il a dead ça. Ok. Eh ben je sais pas où je vais. Là. Je vais passer en dessous. Les click sticks ne font rien. Ah. Il y avait une descente, j'avais pas vu. Complètement pas vu. Des peignes. Bonjour. Comment vas-tu? J'ai vu plein de toi tout à l'heure.
C'était assez incroyable. Laisse-moi passer, connard. Putain. La caméra se retournait pas sur les ennemis. Ah oui, il y en a deux. D'accord. Security room. Bien. It's appear to be the panel that controls the electric power of this floor. Power is not supplied at this time. Eh ben, je vais me faire mettre alors, je reviens. Appears to be some kind of power switch. You've turned on the power. Yay! Ils peuvent pas rentrer dans la salle. Ils peuvent rentrer dans la salle. On dirait que désormais, ils peuvent le faire. Ah, j'ai le magnum. Ouais. Voilà, alors la caméra, surtout qu'elle se retourne bien vers le coup que je prends dans la tronche, parce que sinon, ce serait pas fun. J'ai plus de mixé d'herbe, je crois. Si. Équiper le magnum. J'ai envie de les tuer pour voir s'ils me droppent des trucs intéressants. Right now. Oui, forcément. Mais le truc, c'est que c'est chiant, en fait. J'aurais bien aimé que... Enfin, il n'y a pas assez d'herbes vertes, en fait. Clairement, le jeu n'a pas assez d'herbes vertes. Quoi. Ça, j'aime bien, ça. Les exécutions sommaires de monstres. Ça, ça, c'est bien. Est-ce que le jeu se finit dans la factory? Oh là là! Merci le loup! Merci pour ton raid. Salut les gens! Bienvenue sur Resident Evil Survivor. Le premier FPS Resident Evil sorti sur PS1. Et bah c'est bien. Ça, si je meurs, on va pouvoir recommencer à zéro. Et vous pourrez voir le début du jeu. Parce que là, j'avoue que je suis quasiment au bord de la mort. Ah, il faut une clé là. Comment vous allez? Vous étiez sur quoi? À quoi vous jouiez? Bonjour! Hello les raiders. Graou, graou! Graou, graou, graou! Lulu Nico, salut! Salut Melira, Meliria, pardon. Salut Ducky Balboa. Salut Sono Fabish. Prenez un siège, exactement. Prenez tous un siège. Eh ben, je connais pas du tout, et pourtant j'aime beaucoup Resident. Oh, j'étais sur du Wario Land Game Boy. Très beau jeu. Très très joli jeu. Les jeux Wario, globalement, ils sont très beaux. Mention spéciale pour Wario Shake It. Le Wario de la Wii. Wario Land. Pas celui de la GameCube, celui de la Wii. Hein. Il est en 2D, il est très beau. Je vous encourage à le tester. Meliria, Meliria, j'ai dit. On n'est pas sur Plague Tale, ça serait marrant. Ça aurait été marrant. Bah écoutez... on va jouer un petit peu à ce jeu. Je suis sur le vrai hardware, comme d'habitude, et je suis sur Survivor. J'ai aussi téléchargé Dead Aim, par contre, je vais pas jouer aux autres. Je vais jouer que à Dead Aim et à celui-là. Pas ce soir pour Dead Aim, mais celui-là, je voulais le commencer. J'ai fini RE8. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont fini, et ce qu'ils pensent de la fin et du jeu globalement. Moi, j'ai bien aimé, mais il y a pas mal de petits problèmes. Pas non plus. C'est pas trop les Wario, du coup je m'y mets. Bah regarde sur YouTube, hein, tu vas voir, c'est très beau. Il est ultra beau, le Wario de la Wii. Là où il y a un liqueur, donc c'est vrai qu'il va falloir courir. Je n'affronte pas les liqueurs dans ce jeu. That to be a shutter switch, but there is no power. Donc c'est un FPS, et pardon, alors du coup, quand vous rencontrez des ennemis, vous pouvez passer en mode tir, c'est-à-dire utiliser le gun con, donc le flingue de la PS1, pour les combattre. Sachant que moi j'ai pas le gun, et que de toute façon, même si je l'avais, je pouvais pas l'utiliser. Je dois jouer avec la manette et c'est de la merde. Vraiment, il est bien, il est sûrement mieux avec le gun. Après, il est pas bien hein, le jeu, mais il est mieux avec le gun, je pense. Ah merde! Il me fallait une carte de sécurité que j'ai pas. Très bien, donc il faut que je fasse demi-tour. Doublement. Le liqueur, on l'évite. Évidemment. Faut une TV cathodique pour le gun, ouais. Et surtout, faut jouer en composite pour le gun. Enfin, il faut le petit câble composite qui dépasse en plus de la console. C'est un peu chiant, hein, vraiment, le gun. Sachant que moi, je joue au jeu, là, en... Alors, ma PS2, je l'ai fait sortir en YUV RGB.
pour avoir la meilleure image possible en stream. Et c'est un peu compliqué de brancher le câble dessus du coup. Je crois qu'on est obligé de brancher du coup là. Je sais plus comment ça marche, mais derrière il y a une prise composite à brancher pour que le flingue reconnaisse le truc quoi. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur la fin de Resident Evil pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Arun Otaku, youtubeur de base, et je fais des Twitch rétro gaming sur Real Hardware très souvent ou FPGA, mais pas émulation logicielle parce que je suis pas fan de l'émulation logicielle. Et j'ai fait une vidéo pour sensibiliser. Pour la fin de Resident Evil 8 surtout. Et c'est assez intéressant. Si vous avez quelque chose à partager sur la fin du jeu. Je suis en train de finir le RE7 et après je fais RE8 dans la foulée. Bah RE7 tu vas voir, moi c'est mon préféré. RE7 en mode FPS, c'est probablement mon Resident. Ah vrai. Bah, faut pas que j'aille là. Là il y a deux Mister X. Il n'y en a qu'un. D'ailleurs il y en avait deux. Là je peux pas l'actionner. Si. Power seems to have been supplied to this floor. Et c'est tout. Et c'est tout. Je suis pas très loin encore dans RE8. D'accord. Je vais la mettre de côté alors. Bon, elle est toute petite, hein. C'est mon avis à chaud à la fin de RE8. N'hésitez pas à follow hein, si vous aimez le rétro gaming sur Real Hardware. Et je me suis dit, bah, j'allais montrer ce jeu puisqu'il n'est pas, connu, Survivor. En tout cas, il est connu en mal. Tout le monde dit qu'il est nul. Je trouve pas qu'il soit si nul, moi. Je pense qu'au Gun Con, il doit être fun. De toute manière, sur Saturn, j'ai une bonne collection de jeux Light Gun. Et dès que je trouve un Light Gun Saturn à pas cher, même un Light Gun Saturn tout court, je pense que je descends le cathodique et je vais faire un stream filmé avec tout ça. Pour, montrer un peu les jeux Light Gun de la Saturn. Yeah. J'ai House of the Dead. Merci pour le follow, XCrassHX. Et j'ai un problème de... comme vous l'avez entendu, de son de follow, puisque tout est lu de mon as. C'est pour ça que ça met des petites répétitions. Mais le yeah que vous avez entendu, c'est Jumping Flash, un de mes jeux préférés de la PlayStation 1. Comme quoi, tout le monde avait gueulé à la sortie de RE7 en disant « Ouais, c'est pas Resident Evil, un FPS !» Ouais, mais en fait, voilà. Dead Aim est très connu, hein, par contre. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Dead Aim, c'est la version PS2. Je peux pas te montrer la boîte parce que je ne l'ai pas officiellement, le jeu, hein, évidemment. Dead Aim, je ne vais pas l'acheter parce que je suis pas assez fan de Resident Evil pour avoir tous les jeux de la licence. Même si il y a des choses assez intéressantes. Tu l'as fait, Dead Aim, bah voilà. C'est aussi un FPS avec le Gun Gun 2, donc le flingue de la PS2, celui-là, qui ne marche toujours pas d'ailleurs ailleurs que sur un cathodique. Et bah je suis bloqué en fait. Je sais pas où est la clé, moi. Je comprends pas où est la ID card pour passer ici. Mélange entre TPS et FPS. TPS ? Ah d'accord. Un truc m'a échappé alors. But there is no power. Il faut que je remette le power sur cet étage, je sais pas comment. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. On a toujours les loadings des portes, c'est assez rigolo. Ça me fait marrer. En tout cas, merci encore pour le raid, hein, le loup, c'est super cool de ta part. Pas obligé de me raid, ça veut vraiment dire qu'il y a personne ce soir. Si tu m'as choisi, c'est que... juste que je stream. Tu bouges ton perso en TPS et tu tires en FPS. D'accord, ok. C'est plus, un peu plus malin que ce jeu-là, alors, du coup. Parce que ce jeu-là, tu passes en FPS en appuyant sur R1. Et c'est pas super pratique de tirer avec ce mode. Après, c'est pas pratique de tirer quand t'as pas de gun. Ah bah voilà, Mister X, bonjour. Il vient de me faire passer en danger. Merci, Mister X. Donc c'est le Mister X de Resident Evil 2 Remake, pour info. C'est pas Nemesis, c'est vraiment Mister X. À ne pas confondre les deux. Ah non, il y a plein de monde. Je suis... Je tourne un peu pour le raid, tout le monde, pas de jaloux. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool d'être tombé sur moi pour ce jeu ce soir, parce que pour le coup, c'est original ce que je... J'ai l'impression de montrer un jeu original, en tout cas. Un jeu peu méconnu. Je peux pas courir parce que je suis en danger d'énergie, et le Hunter m'a tué. Je viens donc de mourir. Je vais me mettre en easy et je vais recommencer. Pour le plaisir. Parce que je viens de me faire raid, donc je vais pas arrêter de stream. C'est con. Mais de toute façon, je voulais au moins essayer le mode easy pour voir un peu à quel point c'est plus facile. Game over. You like to save the weapons you've obtained. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. On peut sauvegarder les... d'accord.
C'est un peu gars mauvais, exactement. Gars mauvais. Ou crème au beurre. Et pas crème au beurre. Oh, quand même, j'ai eu tout ça d'étoiles. Ah non, c'est les guns. Attends, c'est la qualité des guns. 71% de hit. Kill 102. J'ai tué 102 bestioles quand même. Ok, to kit saving, yes. Et on va pouvoir redémarrer le jeu en Easy. Alors l'histoire est assez intéressante aussi. L'histoire, c'est une ville qui est contrôlée par Umbrella, dans laquelle ils font venir des enfants comme des cobayes pour tester les produits d'Umbrella. Et bah, je trouve ça assez original, parce que dans Resident Evil, on parlait pas trop de ça. Survivor. Et ils font venir donc des cobayes des quatre coins du monde, des enfants de plusieurs pays différents. Bah, je vous laisse l'intro. Midwestern residents of Raccoon City. An uncontrollable outbreak of the Umbrella-created T-virus transformed the city into an inescapable death trap. C'est un jeu sorti en 2000. To stop the outbreak from spreading, Umbrella Incorporated was forced to wipe out the entire city. However, this was not the only location where an outbreak occurred. Take that! Merci, monsieur Saster, pour le follow. Merci beaucoup. Et là, le jeu commence. On est, bah, on n'est pas... c'est pas Raccoon City, à ma connaissance. Hein. C'est vraiment une autre ville contrôlée par Umbrella. Et donc, il y a des enfants des quatre coins du monde qui sont choisis et kidnappés et balancés dans cette ville, emprisonnés. Et il y a des expérimentations qui sont faites, notamment dans la factory, donc là où j'arrivais. Et je pense que j'étais pas très loin de la fin du jeu parce que c'est un jeu à plusieurs embranchements. C'est un peu la force du jeu. Ah oui, c'est un host, pardon. Merci, monsieur Sastor, pour le host. C'est bon, il s'est enfui d'hélicoptère qui était en flamme. Il a bien fait, je pense. J'avais même pas vu ça tout à l'heure. J'ai même pas regardé l'intro, en fait. Je faisais pas gaffe du tout. Bon, et moi, j'ai été éjecté aussi. On arrive, on est totalement amnésique, et on apprend au fur et à mesure de l'aventure qu'on est en fait le grand méchant de l'île. On est le directeur commandeur de l'opération d'Umbrella sur cette île, et justement on est superviseur du kidnapping des enfants et de leur assassinat, quoi. Enfin, leur assassinat, c'est des cobayes, donc on les assassine pas, mais on fait des tests dessus, et ça finit mal. Ah, j'ai mal à la tête, je ne peux pas me souvenir. Donc il se souvient de rien. Du coup, lui, il arrive et il croit qu'il est gentil, mais en fait, il n'est pas gentil. Mon seul espoir est ce pistolet. Je dois me souvenir, je dois survivre. Et le jeu commence. Et c'est pas un jeu trop moche, puisque c'est un jeu de 2000 sur PlayStation 1, donc c'est un jeu de la fin de la console. C'est drôle, ceci dit, ouais, c'est marrant d'avoir un scénario aussi original, je trouve. I don't remember. Il existe en français, j'y joue en américain pour avoir le 60 Hz, évidemment. Voilà. Donc on a un inventaire exactement comme dans Resident Evil, mais il est moins ergonomique, parce que le jeu a été fait par une autre équipe, vraiment, ça se voit. Et bah voilà, qu'est-ce qu'on peut choper? J'ai foiré le host, j'avais oublié de cliquer. Me remercie pas. Ah d'accord, bah écoute, pas merci pour le host, alors. Tu fais bien ce que tu veux. Je suis pas du tout, je cours pas après les stats. Mais c'est vrai que si vous voulez un petit stream rétro tous les soirs sur un jeu différent et sur une console souvent différente aussi, c'est rigolo. You, c'est la bonne ambiance. You look familiar, but... oh. Donc ça, c'est le mec avec qui il était dans l'hélicoptère. Hein. C'est le mec qui s'est suicidé clairement. Arctop... T'as aussi foiré le Kappa d'ailleurs, M. Saster. This was no way for anyone to die. Quelqu'un me pourchasse derrière. Et bim. Premier zombie. C'est pas l'énergie des ennemis apparemment. Le mec a des mains plus grosses que sa tronche. C'est le problème du low poly. C'est ce que je disais en fait quand j'ai vu le jeu la première fois. J'adore ce type de low poly et j'adore ça hein, réellement. Les jeux Play 1 ou les jeux Saturn ou les jeux de console 32 bits début 3D. Ça me plaît, mais tellement. Il y a plein de demakes sur Unity, Unreal et tout ça, qui essayent d'imiter cette 3D qui warp, là, qui bug dans tous les sens. Il y en a plein qui essayent de l'imiter. Et moi, je suis plutôt fan de ça.
peut reconnaître les portes qui s'ouvrent lentement comme dans Resident. Il est méchant. Ça a son charme, ouais. Bah moi j'ai grandi avec, donc forcément ça me fait bizarre de les voir, de revoir ça. Je le revois avec nostalgie, mais le voir dans les demakes, tu sens bien que c'est des mecs qui l'ont vécu, quoi. C'est viscéral. Les mecs qui reproduisent ça dans Unreal ou dans Unity, je trouve ça marrant. Pour le coup, on s'en était enfin débarrassé pour avoir de la belle 3D, et maintenant il y a des gens qui se battent pour le remettre, c'est très ironique. Le restaurant du manager... Des puppets combo. J'ai entendu une histoire invraisemblable. Une petite ville aux États-Unis, Raccoon City a été détruite la semaine dernière. Ils disent que c'était que tous les résidents s'étaient transformés en zombies et que la ville était complètement déserte maintenant. Umbrella aurait été derrière cet incident, mais je ne connais pas les détails. On va pas tout lire, hein, parce que il y a toujours beaucoup de textes dans ce jeu-là par rapport aux autres résidents. En général, ça va plus vite. Salut, tu as raison sur R8, j'en dirai pas plus pour pas spoil. Même sans spoil, salut du coup Lulunico, bienvenue sur le stream. J'ai vu que t'as vu ma vidéo, bah c'est cool. Sache que moi, c'est pas forcément le problème de spoiler ou pas spoiler. Le scénar, j'ai rien contre lui. Et je pense pas que le scénar fasse forcément la durée de vie. Déjà, la durée de vie, je l'ai trouvé faible. Mais le vrai problème que j'ai avec le jeu, c'est le schéma, en fait. Les schémas des Resident Evil. C'est le syndrome labo. Enfin bon, bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo, c'est assez marrant. Et j'aimerais bien avoir un maximum de témoignages en commentaire sur ce genre de choses, parce que ça me travaille, moi, de me dire, est-ce que je suis le seul à trouver le schéma Resident Evil en boucle et répétitif? Bah du coup, Doc Static disait... Donc Doc Static, un mec de la commu, était venu avant que je lance... Bien fouiller, c'est un peu plus long. Faut bien fouiller R8. R8, je l'ai fait à 100%, j'ai tout fait J'avais tout en bleu quand je suis parti de chaque zone. Du coup, c'était vraiment fun hein, de fouiller. J'ai mis 14 heures à le finir. 14 heures et les 3/4 des gens autour de moi ont mis 10 heures, donc ils se sont un peu pourris le jeu, je trouve. Enfin, je trouve ça dommage, du coup. Donc là, imaginez avec un gun con, ça doit être vraiment fun de tirer sur les zombies, en fait. Parce que du coup, debout dans sa télé, ça peut être marrant, quoi. C'est pour ça que je prends mon temps. Bah, prends ton temps. Prends ton temps. Si j'ai un conseil à te donner... De toute façon, à la fin, tu la vois venir. Les réserves de nourriture et de matériaux, la plupart sont des produits marins. Les trucs sont facultatifs, en fait. On fait pas ça raccourci. Oui. Bah, la clé du manager. Donc, yeah. Merci pour le follow, M. Saster. Faut vraiment que je résolve ce problème de duplication d'alerte. En tout cas, le yeah que vous entendez, c'est Jumping Flash et c'est un de mes jeux favoris de la PlayStation. Jumping Flash 1, Jumping Flash 2, Jumping Flash 3, Pocket Moomoo, tous ces jeux. C'est des jeux que je trouve fantastiques. Allez, je vais filer au dodo, cher ami. Faut que je me lève tôt demain. Bah écoute, merci Lelou. Et bah à la prochaine. N'hésite pas à repasser. Et je passerai sur tes streams un peu plus souvent, parce que c'est vrai que je suis pas très, très studieux en ce moment. Mais je t'ai pas vu streamer depuis un certain temps. Donc. En tout cas, bonne nuit. Et merci à toi encore pour le raid. A très vite. Ah ouais. Il y a de la grêle à Montpellier. Je vais y aller. J'ai la queue dans les chaussons. Ah oui, d'accord. Bah bonne soirée, bonne nuit. Merci encore pour le follow, M-Saster. Et à la prochaine, du coup. Storage, j'y suis déjà allé, c'est là que je viens, non? C'est plus où est-ce qu'il faut que j'aille? Hein, je suis nul. Sinon, on peut faire la pause et regarder la map, car on a une map. Eh bah oui, c'est ça. Storage, j'y suis allé. Alors, il y a plein de exits sur l'écran, parce que vous pouvez tirer sur exit pour évidemment reprendre le jeu normal.
C'est pour que ça soit plus simple avec un gun, en fait. Ils ont fait des interfaces avec des gros carrés partout. Ils vont casser les vitres. Moi, je le sens. Ouais, ils ont pas l'air de casser les vitres. Et ils ont cassé les vitres. Pas très maniable. Elles sont en sucre, les vitres, ouais. Comme dans les films américains. Mais vous avez fini d'essayer de me manger? Je suis trop salé pour être mangé. Indigeste. Pour les reins, je suis très mauvais. J'ai peur de l'overdose si le prochain RE, c'est le remake du 4. Alors, remake du 4, ça serait rigolo, ouais. Ça serait rigolo. Mais remake du 4, pourquoi? Enfin, je sais pas s'ils vont remaker le 4, en fait. Le 4, ils le ressortent tel quel, ils se vendent. Je sais pas si c'est intéressant pour eux. Mais ça serait rigolo de voir le prochain remake qu'ils vont faire, ouais. J'aurais vraiment aimé qu'ils fassent des remakes de Code Vero. Un Code Veronica remake, ça serait incroyable. Code Veronica, pour moi, c'est un des meilleurs. Resident Evil 0, pourquoi pas aussi. Le 0, ça serait rigolo en remake, hein, avec le train et tout, avec le scorpion et tout le bordel, là. Il y a pas mal de choses, hein, en vrai, qui sont pas faites encore. La rumeur depuis assez longtemps, le 4. Je savais pas, ça. Je sais pas qu'il y avait des rumeurs sur les prochains remakes, mais moi, j'aimerais voir Code Vero plutôt que le 4. Après, c'est pas que j'aime pas le 4, hein, c'est que je l'aime moins. Il faut une ID card Umbrella. C'est vraiment une ville entièrement basée sur Umbrella, quoi. C'est affreux. Mais du coup, je peux pas... Si, d'accord. Le mec du 0, un mode de joueur serait cool. Ah, ça serait super original, ça serait super classe, ouais. Je m'étonne. Les chiens, ils sont insupportables dans ce jeu. Bien pire que dans Resident normal. Dans le jeu de base, c'est vraiment pas un souci en général, mais là... On va répondre au téléphone, parce qu'on est poli. Je pense que je suis capable de mourir face à un chien dans ce jeu. Ils sont insupportables, les chiens. Putain, mais il est invincible! Sérieux? Mais jamais il meurt, quoi! Mais il a quoi, ce chien? Non, mais sérieux, les gars? Oh! Eh, il serait temps, là! N'importe quoi, l'énergie qu'il avait. C'était un cinéma. Du coup, je suis pas allé dans le ciné. C'est chelou. Quoi, ce jeu? Ce film, pardon. Ouais, le chien, là, il était bien tenace. Du coup, j'avais trois possibilités dès le début du jeu, en fait. C'est ça qu'il disait Docstatic avant de partir. J'ai bien aimé, mais un peu déçu qu'on joue pas à deux, vu qu'on contrôle deux personnages. On contrôle jamais deux personnages à la fois. Du coup, ça aurait été compliqué, il aurait fallu faire un split screen et tout, ça aurait été vraiment chaud. Moi, j'ai fait sur GameCube à l'époque. Moi, je suis un vieux joueur. Ah, je suis retourné dans le restaurant. C'est pas ce que je voulais faire. Sur Wii. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont sorti tous. Il s'appelait Resident Evil Archive sur Wii, c'est ça? Ou je sais plus quoi. It's locked. Après la compile 0 et 1. Ça, il s'appelait... je crois que c'était Archive, leur nom. Pas sûr. It's locked. Et où est-ce que je vais, alors? Ah oui, il fallait que j'aille sur le quai. Et là, il y a deux liqueurs, donc faut pas que je les tue, parce qu'en fait, ils me font perdre trop de vie. Archive 0 plus 1, Rebirth. Rebirth. Remember. Reality. Ce trailer de l'angoisse, il était tellement bien, ce trailer.
premier m'avait bien plu. Première herbe du jeu. Les choses sérieuses commencent. Et on évite les liqueurs parce que les liqueurs, ils te défoncent la gueule littéralement dans ce jeu. Et c'est d'une tristesse rare. Yo, j'étais pas trop présent ce soir, là je vais dodo, mais bonne fin de soirée à shooter du zombie. Bonne fin de soirée, Sam Nissan, t'as raté le raid. C'était cool. Vincent. Bonne fin de soirée, et t'as vu, Tails, il est tout près de moi, plus près de moi, Tails, t'as vu, il fait des petits pat sur mon doigt. Am I Vincent? Vincent, you are a murderer. A murderer. Donc là, il lui annonce qu'il s'appelle Vincent, et que c'est un meurtrier. What are you talking about? Answer me. Who did I kill? Je l'ai pas New Game Plus Village, je sais pas si je vais le faire. Faut que je regarde les making-of avec attention. Pour l'instant, les making-of, je les ai mis en fond de ma vidéo sur Resident Evil 8. Mais il faut que je les regarde, ouais. Parce que déjà, le making-of m'intéresse beaucoup. Je suis très dans le développement de jeux vidéo, les trucs comme ça. Toujours plus proche. À la fin, il sera peut-être chez moi, tu sais pas. En tout cas, s'il est plus chez toi, un jour, tu sauras qu'il aura déménagé chez moi. Désolé. Ouais, du coup, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer le New Game Plus. Mais j'avoue que je préférerais un DLC, j'ai hâte qu'il fasse un DLC du coup maintenant. Parce que j'ai quand même un manque, hein. R8 a vraiment été court, quoi. Bonne nuit en tout cas, Samnissan. Et bonne soirée. Vincent, what did you call me? Please, don't kill me. Helicopter. Vincent, this is all your fault. You made them send those cleaners to destroy this place. Cleaners? What do you mean? Non, non, c'est pas une DualSense dans les mains, on dirait, mais non. C'est la manette bleue de la Xbox Series X. C'est parce que je la tiens comme ça, je pense. Mais c'est la manette bleue. Manette bleue et blanche. Elle est très très belle, sa manette bleue, bleu Sonic. Je la trouve super belle, perso. Celle-là. Je la trouve super super propre. Il y a le déballage sur la chaîne YouTube, si tu veux. Bon, c'est pas très intéressant le déballage d'une manette, mais bon. Bonne nuit les amis, bonne nuit Starbucks. À la prochaine. Merci beaucoup d'être passé ce soir. C'était bien cool. Cette soirée, elle était bien bien cool finalement. J'ai pas préparé grand chose, j'ai juste joué à ce jeu, mais c'était cool. Je suis content d'avoir réussi à survivre tout ce temps, et surtout à découvrir des nouvelles choses, parce que ça, on l'a pas vu dans le premier run. Il y a la place pour un DLC, on va pas se... Ah oui, là, c'est sûr et certain, enfin... Je pense pas qu'ils vont attendre le prochain épisode, ils vont vraiment faire un DLC, à mon avis. Ah, il y a encore un lecteur de cartes, ici. Et ils en mettent partout, des lecteurs de cartes, Umbrella, ils sont à fond. En même temps, les années 98, le jeu se passe en 98, donc c'était un peu ça, le jeu. A picture is hung on the wall. Il y a une image sur le mur. Bonne nuit à tous, je vais au dodo. Bonne nuit au Philippos. Merci d'être passé. Passe une très bonne nuit. À la prochaine. Et essaye de pas trop travailler, hein. Te surmène pas. Pour une histoire qui se passe pendant le 8, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. J'espère qu'elle se passerait avant la fin, du coup. Sans spoiler non plus. Elle est classe, cette bibliothèque, elle est bien faite. Il n'y a juste pas de livres. Il y a beaucoup de trucs pour lire des livres, mais il n'y a pas de livres. Il n'y a pas d'étagère avec des bouquins. Ah, le style Ada dans le 4. Bah, j'ai pas fait les DLC du 4 parce que j'ai pas aimé le 4. Je l'ai fini et puis j'ai arrêté après. This is the type of place where a cold-blooded murderer should die. A cold-blooded murderer. Donc là, il y a des armes historiques, je pense. Je sais pas trop quel monstre il pourrait mettre autour des étagères. Ah non, des hunters. Bof. C'est nul, des hunters dans ce jeu. C'est facile à buter. En fait, ils ont la visée, le lock automatique, les hunters dans ce jeu. Très bizarre d'ailleurs. Bah, j'imagine que pour quelqu'un qui connaissait moins la série d'avant le 4, il est bien le 4.
Ah, moi j'adore le côté horreur, c'est ça le problème. J'ai fait le 1 et le 2. Déjà, le 2 m'avait un peu déçu par son côté action. Le 3, je l'avais pas fait parce que je pensais que c'était 100% action, puis je l'ai fait avec beaucoup de retard. Et j'étais pas déçu parce que finalement il est bien le 3, il est pas si mal. Mais il est très action aussi, comme le 2. Mais non, non, il y a vraiment des problèmes d'action. Pour moi, Resident Evil, il faut que ça reste horreur. Et le 8 comme le 7, il commence très bien et il finit. En fait, tous les Resident Evil, dans ma théorie, ils finissent en action, quoi. Et c'est un peu dommage. D'ailleurs, on a fait, il n'y a pas longtemps, Resident Evil sur Saturne, le premier. Et Resident Evil sur Saturne, le premier, il avait un mode purement action à la fin. Si vous le finissez sur Saturne, en moins de 3 heures, je crois, Resident Evil sur Saturne, vous avez un mode qui s'appelle mode battle. Et vous avez un objectif, c'est-à-dire finir le pas finir le manoir, mais aller d'un point A à un point B, je crois, un truc comme ça. Vous trouvez un objet précis, et vous devez le faire avec certaines armes et tout. C'est assez marrant. Il n'y a pas longtemps. Jeudi et vendredi. Ouais, c'est ça. Et samedi, j'ai pas stream, c'est vrai. Samedi, j'ai nettoyé mes jeux et je me suis dit non, je vais pas stream parce que les 17h, je suis déjà. J'étais vraiment drainé et fatigué. Et vendredi, du coup, j'ai fini à R8. C'était ça le truc. Samedi soir, pardon, j'ai fini à R8 et j'ai fait ma vidéo dans la foulée. Nemesis, il fait peur, ouais. Nemesis, il fait peur, mais c'est vraiment de la peur tarte à la crème, quoi. La peur jumpscare. C'est un peu ce que je reprochais aussi à RE2. Il avait pas mal de jumpscare alors que RE7, le grand avantage de RE7, c'est qu'il a une peur Silent Hill, quoi. Il a une peur vraiment, peut-être pas Silent Hill, mais une peur insinuée, quoi. Je trouve ça cool, ça. Je trouve ça vraiment cool. Après, il y a des passages dans RE8 qui sont incroyables. Vraiment, je vous encourage à le faire, RE8. Hein. Même si ça fait un peu cher, le jeu, pour moins de 20... Enfin, vraiment, je m'attendais à avoir 20 heures de jeu, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, les chiens, vous pétez les couilles. J'ai pas envie de vous tuer, en fait. Vous êtes trop long à tuer. À chaque fois, vous prenez une éternité à mourir. Et tout. There is no need to go back. Bon, c'est pas par là qu'il faut aller. Par là? J'ai la clé? Non? J'ai une clé. J'ai une clé? Ouais, j'ai une clé. On le disait, aussi long que le 4, c'est pas le cas. Clairement pas, clairement pas. Clairement pas. Dans RE7, ils ont changé la... La recette, pas mal. Très bon, très bon, j'avoue, c'est pas mal. Pas mal. Vous avez les top secret files de Umbrella, et ben voilà, c'est fini alors. Alors le jeu est fini, j'ai enfin les secret files de Umbrella. De quoi ça parle? Alors, Umbrella Confidential Document for Your Eyes Only, pour vos yeux seulement. Ce fichier contient les data for the BOWS created by the virus. Ah, c'est... Non, je sais pas ce que c'est, BOWS. Bio Organic Weapons, c'est ça. Hein. For the Bio Organic Weapons created by the virus contamination that occurs during the biohazards. The first biohazard was caused by the T-virus leak at Arclay Laboratory le 11 mai 98. Souvenez-vous, quand vous commencez Resident Evil 1, 11 mai 98. Celui qui est écrit à l'écran en premier. Dans RE8, avoir une femme plus grande que soi, forcément, on a peur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oh mon dieu, mais elle est grande. T'as même Pisuke. T'as un Pisuke approuve de quoi. Franchement. 4 mois après... Donc c'est ça, en fait. Alors, le premier Resident Evil se passe le 11 mai 98. 4 mois après, il y a Resident Evil 2. Other than the ones listed below, the data from those will be filled, machin, it's ready. Alors, il y a d'abord les zombies. Quelle procédure? Ah, les Cerberus! Ah, cool! Ils ont refait un résumé de tous les ennemis. Leaker. Et est-ce qu'on a les Hunters? Alors, il y a les Ivy. C'est quoi les Ivy? Which are created from plants that can move on their own will... by using the vapors in the... Watch out for their tentacles. Alors les Ivy, je crois que c'est à la fin de Resident Evil 2. Dans le laboratoire de Resident Evil 2 qu'il y a des plantes. Elles empoisonnent. Les Hunters, eux ils sont connus, depuis le premier. Et Tyrant. C'est tout. Ah, il y a prototype. Alors, they are not yet complete, but logically speaking, we can create a mass produce more ferocious bioorganic weapons by adding certain materials during the process of cultivating Tyrant gene. However, there is one problem, et on ne saura pas quoi. Le 2, c'est pas le lendemain. Non, trop pas.
Le 2, il se passe bien plus tard que l'un. Non. Bah, en plus, ils détruisent le... Tu sais, ils détruisent le manoir. Du coup, tu te dis, bah, c'est fini, alors. Et en fait, bah, non. Il aurait fallu 6 mois pour que tout se réveille. Et que tout se remet... Que tout remerde, quoi. Je crois que le film suit un peu, à peu près ça, non? Je suis tombé de porte, évidemment. Moi, je lis un livre, ça y est, je suis perdu. Ah, mais c'est M'Saster, ça y est, je vois qui t'es, M'Saster. Putain, je vois ton avatar et je te reconnais. Pas personne. C'est pas un random, c'est cool. Tu sais? Ah, une crowbar. Enfin, c'est pas une crowbar, c'est un truc pour ouvrir les plaques d'égout. Manhole opener, c'est plaque d'égout ouvreur. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a des vieux dossiers. Pas grand-chose de très intéressant. On a un fichier encore, on peut pas le lire. Tableau ici. The Office Worker Schedule. Ok, c'est le calendrier des travailleurs dans le bureau. Les travailleurs du bureau. C'est le seul moyen de recharger, c'est de tout tirer. C'est nul. C'est pas terrible ça. Les corbeaux. Les corbeaux, c'est totalement inoffensif tant qu'on se déplace. Donc, déplaçons-nous. Ah bah le manhole est là. Ah c'est intéressant, hein. Ça fait vraiment des routes très différentes en tout cas. Du coup, j'ai déjà fait le jeu et les routes étaient pas du tout comme ça. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. On va... What? On commence avec deux sprays premier secours et deux herbes vertes. Mais c'est tellement facile. Une herbe verte, je pense. Parce que j'en ai trouvé qu'une. J'en ai déjà trouvé une, je veux dire. Donc, voilà. Handgun D. Cool, j'ai un handgun encore meilleur. Bien. Je vous laisse, il est tard. Bonne nuit. Bonne nuit, Lulunico. Merci d'être passé. Et cool, merci d'avoir, de nous avoir abreuvé de ta culture Resident Evil-esque. C'est cool. C'est cool d'avoir des fans de Resident. Bonne nuit à toi. Peut-être, du coup, c'est un gun qui ressemble beaucoup au gun qu'a... Comment il s'appelle, déjà? Comment il s'appelle, le mec dans Code Vero, là? Le Leonardo DiCaprio wannabe? Comment il s'appelle? Bref, c'est le même gun que lui, quoi. On va voir si c'est les mêmes égouts. Papa. On a deux sprays premier secours. C'est un truc de fou. Ça simplifie tellement le jeu. Je vois rien. Je sais pas où j'habite. Ah oui, d'accord. Ultra désagréable. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est vraiment pas très agréable. Ok, on est là du coup. Alors je crois que moi j'avais fait tout droit pour continuer les égouts. Et j'ai pas pris l'échelle qui est là. On va prendre l'échelle pour voir ce que ça fait, parce que c'est une autre route, j'imagine. The manhole lid is closed. Mais c'est pas grave, tu l'ouvres. Ah mais sérieux. Le mec il se noie dans un verre d'eau. Parlant de verre d'eau. Chaque doublement d'effet sonore plus 3 dB. C'est pratique, hein. J'espère que ça vous a bien rendu sourd. Ah bah c'est là, d'accord, c'est là, on a fait la boucle. On est retombé sur un endroit qu'on connaît, du coup. Des shotgun bullets, mais j'ai pas le shotgun. Ici, on a une radio, on a des photos. Et là, on en apprend encore plus sur Vincent. C'est 2 mois après RE1 et RE2.
Bah non, tout à l'heure on a dit 4. Non? C'est seulement 2 mois? Ou alors c'est le début de la spread? Et ça a vraiment foutu la merde au bout de 2 mois de spread? Je sais pas. Ah! Je vais vous laisser la cinématique. Ah, picture! Mais c'est moi? Non! This is me! Eh oui! De oui! Ah, ma Devil, il fait Resident Evil aussi. Putain, putain. Tout le monde a la fièvre résidente, quoi. Ah, il y a Retropolo qui fait un stream ce soir. Pré-test PlayStation Classic Mini. What? Et what the fuck, quoi. Ethan recherche sa fille entière, c'est pas dit. C'est qui va galérer? C'est Kiro. Par Willow Dark. Ah, ça peut être rigolo ça de l'avoir joué à Willow Dark. Ah, Sekiro Willow Dark. Laurent et Alice, ils sont sûrs. On continue, on termine The Secret of Monkey Island. Il est temps quand même. Ouais, est-ce que je vous enverrai pas chez Madeville qui joue à Resident Evil? Du coup, c'est dans le thème. Là, je pense que je vais aller dodo, moi. Je vais pas tarder. Ouais. Non. Il y a quelqu'un qui a défoncé la porte derrière moi. Donc... Ah, il y a Recallbox qui est en ligne aussi. Ouais, non, alors. Quick. C'est quoi cette porte? On peut pas y aller. On est obligé d'aller à Paradise, ok. Donc ça doit être un entonnoir scénaristique, j'imagine. Et là, je suis re-rentré, putain. C'est Steve DiCaprio Wannabe, d'accord. Eh ben écoute, je crois que j'ai l'arme de Steve. Sache-le. Je vais vous envoyer... Je sais pas, vous préférez Sekiro ou Resident Evil? R1, R2, mods. Ah, c'est R2 avec des mods. Voici demain boulot. Bonne nuit, Pisuke, alors. Merci d'être passé. Vous voyez un liqueur qui vient vers moi. Je pense qu'il va venir me tuer. Je vais mettre la manette sur mes genoux pour pas que ça fasse du bruit. Je pense que je vais vous envoyer chez Madeville. En vrai. Et je vous dis à tous, merci encore d'être passé ce soir pour découvrir ce merveilleux jeu qui est finalement, qui est pas si mal. Hein. En fait, il est pas si mal. Ça, c'est les liqueurs que t'as buté tout à l'heure. Je sais pas. J'en ai buté un, liqueur, tout à l'heure? Moi, je croyais les avoir tous esquivés. En tout cas, voilà. Moi, je vous souhaite bonne soirée. Merci encore d'être venu. Et demain... Possiblement, on fait soit Resident Evil Gaiden, soit Dead Aim, ou alors totalement autre chose, je sais pas. Ça va dépendre. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Tails est là. Il continue à nager dans l'overlay. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Gaiden, je suis assez curieux, mais Gaiden, ça a l'air injouable. Je vais essayer d'y jouer demain, si j'arrive à avancer un peu dedans, j'y jouerai peut-être en stream. Mais j'ai peur de l'angoisse, de la difficulté extrême qui m'empêche d'avancer. Et ça sera pas fun pour vous, et ni pour moi, quoi. Donc, ou alors je fais une option, c'est genre... je fais Gaiden, et si j'y arrive pas, je passe à Dead Aim. Je sais pas. On verra. En tout cas, bonne soirée, bonne nuit, je vous envoie chez Madeville. Soyez gentils avec lui, et des bisous. Salut.